Coucou tout le monde, coucou Lisa. Coucou. Ah, mais t'as pas coupé le son Coucou, coucou Linko. Coucou <laughs> mais si, je l'ai mis. Ah, c'est bon, ok. Bon, bah bonjour. <laughs> salut Angie, salut Webiz Salut Fiaitsu. Comment ça va ce soir Avec Linko et moi. J'espère ah, que, que vous allez bien. Je suis trop contente. Au moins ici. Je suis en train de récupérer le chat. Bah, ah, oui, parce que sur mon, re ouais, sur mon retour, tu l'as à l'envers. Ça doit être difficile. Euh, Salut, non, je l'ai pas, tu... pas à l'envers, mais, euh, mais je me suis dit que je, comme ça, je, le vrai chat, enfin, euh, je vois mieux. Ouais. <laughs> Salut Sandy Didou, J'aime beaucoup ton pseudo. Il est, il est Ah oui beau, là, Sandidou. Oui. Ouais. <laughs> Salut Mélanie C'est marrant. Coucou tout et le merci monde. À Sabrina, Artlor et Anso qui nous ont rejoints depuis le dernier live. C'était quand Dimanche Je crois que je l'ai fait dimanche. Pas ah, mais bouclé, ça va être beaucoup trop longtemps hein. alors Oui, c'est vrai. vrai, ça m'a un peu manqué, j'avoue. Salut, benjamin Les mots magiques Comment allez-vous en ce On est quel jour Mercredi soir Et ouais Regardez, il y a plus de livres chez Linkorap que chez moi. À quel point <laughs> <pour eux> <laughs> Attends, mais là, il n'y a, a rien là <rire> <rire> Non, après, j'ai vu ta bon bibliothèque, hein, pas. Oui, bah écoute, ici, franchement, il y a juste mes livres de psy. C'est tout. Mon bureau, j'ai mis que les livres de psychiatrie et c'est tout. Merci pour ton follow, Pickwick qui est derrière ma caméra. Comment ça se fait J'arrive, 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 c'est bon. <laughs> que peste... Voilà, c'est tout. Ça cachera ma tête. <laughs> non C'est terrible salut, Jipo, salut, petite nanu Personne m'a dit comment ça allait d'ailleurs. On a posé la question, je crois. Mais grave Non mais. comment mais on vous dit bonjour vous... au moins. C'est ça On leur fait coucou les petits gars On leur fait coucou <laughs> oh, Alors nos amis sons, voilà. Euh, on est content hein. Moi franchement il me faut le à Là tout de suite tu sais, que... Là ouais. C'est ça <laughs> Je, je promets je suis sage Une bibliothèque avec un beau globe géant au milieu Oh ouais mm. Ce serait trop bien mm. Ça c'est vrai Aujourd'hui du coup on va parler urban fantasy Je suis lancée là c'est bon c'est parti euh, sure. Le replay sera sur YouTube si jamais euh, c'est compliqué pour vous de rester jusqu'à la fin. Et en fait, j'étais plutôt étonnée parce que moi j'avais euh, la notion d'avoir lu un truc, <laughs> une saga, d'urban fantasy et c'est tout. Et je suis allée voir dans ma bibliothèque qui maintenant est rangée. Avant c'était que des piles dans notre <laughs> chez nous. Maintenant c'est rangé. Je suis allée voir côté urban fantasy et je me suis retrouvée avec ça à peu près. Du coup, je les ai ramenés. J'ai envoyé une photo à Linco en mode t'as lu ça et Elle me fait j'ai tout lu. Et je me suis dit que j'avais invité la bonne personne du coup. <laughs> Dès qu'on retournera à 25 degrés, ça ira, mais carrément, c'est tellement chaud, je suis d'accord avec toi. J'ai pas, pas ressenti la chaleur du tout aujourd'hui, c'est terrible. C'est vrai Mais t'es pas sorti. ouais, bah non, vite fait dehors, mais enfin, je veux dire sur le, dans le jardin, mais c'est tout. Puis j'avais la clim et tout. <laughs> il y a quelqu'un qui arrive à un moment pour me dépanner sur quelque chose. Il avait l'air d'avoir chaud, je fais, il a fait chaud, il me fait ah ouais, il a fait 40 degrés, je fais. Ah oui, hein, quand ah. même. Hein. <rire> <rire> mais attends, t t comment c'est possible J'étais en consultation, j'étais là, ah oui, vous allez bien, je vous jure que ça va. Allez, c'est fini. <laughs> On pouvait plus. Je sais pas, pas où il est, est bon. <laughs> ah non, il fait un... <laughs> Lisa, Linkotro, la queeness de l'urban fantasy, en fait, mais tellement... J'avais... Ultra mal lu, j'avais lu la quenasse là-bas, c'est pour que je ne sache pas. Bon alors, bon, suis là que j'arrive Oh mon dieu non Non mais je me suis dit que j'avais mal lu, tu vois, mais j'ai quand même ouais. genre. Quand même... Ouais ouais, heureusement que tu t'es dit quand même que t'avais mal lu. Bon, bah, oui, non, hein. je pars pas du principe qu'on va supprimer. Urban fantasy tellement bien. Et hey, d'ailleurs, qui lit de l'urban fantasy ici On va faire un petit sondage. Tiens. Hop, on va commencer par ça. Et après, après. On a un exposé Après. de Rico. J'ai eu un avant-goût. J'étais en mode Ah, mais je ne connais pas. Mais c'est génial. Et je les... Ai... il y en a certains, franchement, je les ai sortis. Ils sont juste là. Comme ça, il y aurait la couverture et le livre en vrai. Oui. Qui lit de l'urban fantasy On va mettre régulièrement. Parce que j'en ai déjà lu, sinon, alors que j'en lis pas du tout. Non, il n'y aura pas de slide et VIPO, mais presque. J'ai fait le même que... que les sorties littéraires, en fait. J'ai fait un petit PDF, <laughs> tout nul. <laughs> non, non, les slides, c'est exclusivement pour Disney Pixar et tout ça, pour les films d'animation. Je leur fais des petites slides avec des photos bien. De, Des films d'animation, on fait ça le dimanche... Euh, ma... Non, pas matin, le dimanche matin je dors. Le dimanche à 17h30, je crois. Et là, on doit regarder quoi Beetlejuice Oh, je ne l'ai pas encore vu. Il faut que je regarde Beetlejuice. Ah, je pas vu non plus. Alors, du moi, coup, par contre... Euh... Vu, mais ça fait un moment. T'as um, ah, pensé à demander si les gens savaient ce que c'était l'urban fantasy Parce que pas tout le monde qui sait en vrai. Non, mais on va déjà voir s'ils si en lisent, comme ça au moins on saura qui ne sait pas. <rire> <rire> non, parce que je vois qu'il a marqué c'est quoi, je me suis demandé si, si c'était par rapport à ça. Ouais, c'est possible. C'est possible. Qu'est-ce que l'urban fantasy As-tu une... Toi qui en lis beaucoup, qu'est-ce que t'en retiens en fait Parce que moi j'ai une définition très sommaire de l'urban fantasy. Bah, si, euh, tu sais quoi, euh, peut-être que tu as qu'à commencer avec ce que toi t'en penses et peut-être que moi je peux compléter avec euh, ma mmh. vision. En fait, pour moi, l'urban fantasy, j'ai toujours mis ça, donc urban forcément en ville. Et le côté fantasy en ville, en général, il y avait toujours, je mettais tous les trucs de vampires, de loups-garous. Euh, maintenant, il y a plein de nouvelles créatures et ça, c'est plutôt cool. Mais tu sais, je mettais vraiment uniquement ça sans savoir vraiment ce que c'était euh, au fond. Mais euh, oui. ouais, je mettais vraiment des collections particulières dans l'urban fantasy aussi. Oui, je vois. Alors, euh, déjà, Boudja... coucou Tégousquette et coucou Persil <rire> <rire> euh, Du coup, alors l'urban fantasy, c'est tout simplement. Euh, la fanta... En fait, c'est un mélange de pas mal de choses. Donc, on dit fantasy pour faire un raccourci, mais en vérité, genre, euh, il faudrait plus mélanger la fantasy et euh, le merveilleux. Oui, d'accord. À euh, tout simplement un paysage, pas urbain dans le sens de la ville, mais quelque mmh. chose de moderne. Donc ouais, en fait c'est tous les mythes auxquels tu peux penser, mm. euh, mais qui est dans un contexte euh, dans un contexte en fait euh, récent, genre dans le e siècle quoi. 21e ah, ouais. maxi maximum, fin XXe quoi. Et ouais, ouais, je euh, je tout simplement c'est ouais, ça. Tu vois je le mettais forcément en ville, je voyais immeuble, building, truc. Non c'est pas, pas un rapport avec ça en fait, c'est vraiment en rapport avec la, la société moderne. Mm. Et du coup euh, et du coup en fait c'est euh, comment en fait euh, les humains vont euh, vont réagir et euh, comment comment ça va se passer pour eux euh, s'ils sont au courant en fait de, de ce monde parallèle en fait c'est en fait l'urban fantasy c'est le choc entre technologie et magie c'est ça en mmh. fait le, le cœur de le cœur, en fait du, du genre d'accord mais du coup tu vois entre urban et enfin euh, je pense que j'avais compris enfin j'avais gardé le côté ville parce qu'entre fantasy et urban fantasy du coup dans ta définition en fait on, on est beaucoup on Est beaucoup plus. c'est plus... enfin, La différence, elle est beaucoup plus ténue, finalement. C'est un peu difficile de différencier. Entre les deux. fantasy, tout court, tu veux dire Ouais. Mmh. Bah, en fait, non, parce que là, quand on passe dans la fantasy, les gens. Euh... Alors, il faut faire la différence entre fantasy et fantastique, évidemment, parce que les gens ont tendance, malheureusement, à les, à les mettre ensemble. Ouais, euh... Et qu'en fait, fantasy, c'est très, très, très souvent, en fait, c'est médiéval fantasy. Et donc, en fait, ouais. que ce soit médiéval fantasy ou urban fantasy, ce sont des sous-genres de la fantasy, donc ça reste de la fantasy. Mais, euh, mais en fait, le contexte est, euh, est posé dans le sens où il faut que ce soit moderne. Mmh. Quand on y pense, euh, Harry Potter, c'est de l'urban fantasy. Sauf qu'en fait, c'est libellé d'abord et avant tout, comme de, la de, comme de la lecture jeunesse. Ne la frappez pas, d'accord. Parce qu'en France, tu as même une, un débat entre fantasy et fantastique pour Harry Potter, là où tout le monde se met d'accord aux États-Unis ou autres. En France, à chaque fois entre fantastique, fantasy, c'est super difficile. Dès que tu parles d'Harry Potter, tu as tous les points de vue euh, qui arrivent. Pour moi, c'est de la fantasy, mais, euh... mais fantastique, peut... c'est pas possible parce que fantastique, en fait, c'est euh, qu'il y a un mystère, mais que c'est pas, la... pas de la magie en soi. Alors que fantasy, ça l'est. Bah, fantastique, même parfois, tu sais, c'est euh, le côté. Euh... En fait, il y, y en a qui différencient ça en disant euh, ils sont étonnés par le côté euh, magique, etc. Et dans l'autre, ils sont pas étonnés. Enfin, Vraiment, c'est assez compliqué. Et de toute façon, en France, il n'y a, a qu'en France que tu as la distinction fantastique-fantaisie. Tu vois ce que je veux dire y a, y ah, y a Je ne sais, je... sais pas. Je ne sais pas quand tête est... Avec ça a qu été en France. Bah, je te dis. <laughs> en France, euh... on se prend la tête avec ça, alors qu'aux États-Unis, tout est dans le même truc. Et bah après, quand moi je l'ai étudié, euh, ouais. la, la vraie différence, c'était vraiment que fantastique, il a il y a un sous-entendu de magie, c'est-à-dire c'est possible que ça existe, et personne ne le saura jamais. On ne saura jamais si ça a une explication rationnelle ou pas. Et ça, c'est de la fantastique. Alors que la fantaisie, c'est complètement assumé, en fait. C'est genre. Ah bah d'accord, quelqu'un décède, il y a personne qui est en train de tirer une ficelle avec un truc, voilà quoi. Ah d'accord. Non, mais c'est intéressant. Mais après, bon, ça, c'est quand j'ai fait mes études. Enfin, je veux dire, c'est pas. Voilà. Ouais, mais si, justement, c'est intéressant. Enfin, t'as fait des études dessus, pas moi, par exemple, tu vois. Donc, comme ça, au moins, j'ai la définition. <laughs> bon après ça fait longtemps hein, mais quoi. Lisa qui dit on doit noter après la présentation tu peux noter l'incorep tu, tu, tu peux mais il faut mettre entre 15 et 20 quand même d'accord si, sinon, sinon je t'enlève ton épée euh, Lisa voilà je, tu l'as <laughs> gagné dimanche donc euh, bon et salut Marie-Laure d'ailleurs que j'avais pas vu encore et Dagutsuke et pop bien évidemment ce sacré pop et Yuna <laughs> Bon du coup au niveau du sondage euh, on était euh, globalement sur 6 euh, qui savaient pas et 5 qui savaient donc on l'a fait au début enfin qui avait tenté et 5 qui, qui en lisait régulièrement on est sur une bonne moyenne du euh, je viens découvrir l'incorrect et tous ses conseils <laughs> d'ailleurs il faut que je réouvre ton pdf je l'ai fermé Ouh, après, euh, après c'était surtout pour que tu euh, les images, euh, mais. Euh, ouais, mais je peux suivre. De toute façon, je vais le dire et je vais important. surtout étendre parce que j'ai mis une phrase par truc juste histoire oui, que tu. C'était trop bien <laughs> C'était au cas où, en fait, après, tu te rappelles plus des trucs et que tu as une petite trace C'est grave <laughs> Puis du coup, j'ai mis à peu près dans l'ordre. <laughs> <laughs> oui, aimé. bah, je vais le faire dans cet ordre-là, en fait, dans, dans tous les cas. Mmh. Donc, euh... Et coucou à tous ceux qui arrivent. On ne peut pas dire bonjour à tout le monde, vous êtes beaucoup ce soir. Bah, oh si, enfin, je veux dire, tu peux me couper ou quoi, je veux dire, reste ton live. Hein. T'es la princesse a... là d'ici. Oh, c'est trop <laughs> mignon. C'est trop mignon, mais j'ai pas de son qui va avec ça. Pas encore. Avec la princesse ou le mignon Ouais, avec tout. <laughs> T'en tiens. Je veux que tu prennes ton air trop doux et trop mignon, soldat <laughs> C'est lui, vous, <laughs> vous J'ai même met pas 20 de son. Yay yeah. ouais. <laughs> Génial. <laughs> Est-ce que t'as envie de commencer par tes préférés, par exemple Euh, ouais alors, du coup, euh, ce à quoi j'avais pensé moi, vu que du coup tu ouais, connaissais oui. pas euh, tu connaissais pas vraiment le genre finalement, euh, c'était de commencer je du coup faire. par le God. Bah, je je appelé en plus la God Tier List. <laughs> <j> <laughs> Donc en fait, ce que je pensais faire, c'était vraiment euh, ce qui moi m'avait marqué. Après, tu me dis si, si l'ordre te va pas. Moi, ce qui m'avait marqué, ce que je recommande, ensuite passer sur euh, ce qui se fait un peu plus, genre ce qu'on voit un peu plus. Et donc, ce qui peut être bien, mais qui, au bout d'un moment, peut avoir un petit, peu, un petit peu marre, en fait, tout simplement. Mmh. Euh, et enfin, finir sur, en fait, euh, les classiques comment est à en arrivé là, et d'où la popularité est née, en fait. Donc voilà. Mais euh, mmh. si jamais t'as envie qu'on le fasse dans un autre ordre, tu me le dis, et il n'y aura ça pas de soucis. J'en ai lu un dans ta liste. Donc, euh, franchement, You're the Queen. Hein. <rire> <rire> ok, bon. Ah bah, tu vois, Spooky Racoon, est d'accord avec toi? Moi aussi. Bah la oui, oui. De la fantaisie et du fantastique, et voilà. Bah ouais, mais après, c'est la, la, euh, la définition du genre euh, comme, mm. quand on l'étudie en tout cas. Ouais. Après, je sais pas si tu savais, mais c'est que j'avais fait l'être moderne, mais... mais, oui, mais oui. Voilà. Si, si. Ouais, parlé, sur je t'ai plus appris. Je crois que tu me l'as ouais. dit. Ouais, mais je parle tellement, euh, tu sais. Ou voilà, alors, comment vous tu veux que je retienne qu tout, me tout me dit, ce que je dis. Salut Boba Kev, comment vas-tu, toi <laughs> La wishlist Amazon est ouverte, je préviens. Moi ah ah, j'ai sorti <laughs> la petite feuille hein, aussi. Hein. J'ai sorti la petite feuille là, le petit stylo, on est parti. Après Il toi je t'ai déjà problème. tout envoyé. Hein. <laughs> ouais mais euh, on sait jamais. Euh, Alors du coup, pour, euh, pour ceux qui veulent du coup commencer, débuter dans le monde de, de l'urban fantasy, euh, je commence par conseiller euh, Rachel Morgan. Euh, donc en fait quand on va parler d'urban fantasy, euh, de base le genre en fait ça va être une héroïne. En général, il va y avoir, euh, il va y avoir des, des moments où ça va pas être comme ça, mais en fait, le, le genre même de l'urban fantasy, c'est une écriture en général par des femmes. Ça a commencé comme ça, en tout cas, pour des ouais. femmes avec des femmes badass. Donc, ouais. c'est vraiment, c'est ouais. vraiment en fait, à la base, c'est parti sur l'empowerment, c'est-à-dire euh, le fait de sentir, euh, on n'a pas besoin des hommes, on, on est les badass. Et en fait, le genre il est né en fait dans, dans cette idée-là. Donc en fait, quand je vais parler d'un livre et que je vais dire Rachel Morgan, ça va être le nom de la série. Donc ouais. en général, ce sera le nom d'une femme en fait, euh, tout simplement. Donc euh, voilà, je vous conseille Rachel Morgan. Euh, le premier, c'est Sorcière pour l'échafaud de Kim Harrison. Euh, alors euh, c'est, on va partir d'un postulat en fait de monde différents, et c'est ça que j'aime beaucoup dans, dans l'urban fantasy. Donc là, on part du principe en fait que euh, les humains savent qu'il y a mmh. euh, un monde parallèle, un monde magique des autres races, en gros. Euh, pourquoi Ils ont changé un détail sur le monde, euh, sur le monde en fait, euh, tel que nous on le connaît. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la course à l'espace et à l'armement comme il y a eu dans les années 60, mmh. ils ont euh, fait des études et euh, ils se sont intéressés dans tout ce qui est euh, la génétique et euh, le... Les, ouais, tout ce qui est en fait de toucher à la génétique en fait c'est à dire que explosion des OGM explosion de tout ce qui est, so de les, tout ce qui est euh, des armes euh, comment ça s'appelle euh, quand on touche à la maladie tout ça les, les armes bio, bio, ouais, bio biologique genre oui, de truc quoi mmh. soigner les maladies tout ça et donc euh, en fait à force de tout tripatouiller il euh, y a un virus qui s'est échappé d'un laboratoire et qui s'est introduit dans une tomate qui était elle-même modifiée génétiquement Ouais, comme eux, ils a sont été arrivée aux mêmes, euh, aux mêmes euh, conclusions que chez nous. D'accord. Voilà, <laughs> c'est ça. Donc <laughs> ouais, comme en fait euh, la tomate était euh, modifiée génétiquement, et ben il y avait des failles dans son ADN, donc en fait le, tout simplement le virus a pu s'y introduire. Ce qui fait que euh, tout humain mangeant cette tomate décédait, et ce qui a fait que 50% de la population humaine est décédée. Mmh, bon dis donc. Donc pendant cette crise là en fait, euh, apparemment toutes les races, euh, dispo, elfes, vampires. De sorcières, euh, enfin lutins, de oui. tout, quoi, se euh, sont rendus compte qu'en fait, s'ils se mettaient tous ensemble, ils étaient aussi nombreux que les humains. Et donc, ils ont décidé de se rendre visibles, parce que là, ils étaient plus en infériorité numérique. Oui, bactériologique, c'est ça. Et euh, de tenir, en fait, et de tenir le gouvernement, euh, le monde, etc. Pas de, à des fins mauvaises, mais en fait, en gros, tenir le truc jusqu'à ce que les humains aient fini de crever, quoi. <laughs> et, euh, <laughs> et voilà, donc pour essayer de, de faire en sorte que leur arrivée soit... Euh, Mieux supporter. Hmm. Voilà. Donc dans ce monde-là, les humains ont peur des tomates. C'est <laughs> voilà. C'est le post. Si, si je veux simplifier le truc, c'est le postulat. C'est bien des générations plus tard en fait. Et euh, tout se passe bien. Je veux dire, euh, c'est bien passé euh, le, la transition. Euh, et en fait, on suit l'histoire d'une sorcière euh, qui donc du coup sont considérées comme des races à part parce que génétiquement, elles ne sont pas pareilles. Leur sang n'est pas pareil. Il n'y a pas les mêmes enzymes, etc. Mmh. Euh, et voilà, et c'est une très 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 bonne série. Vraiment, euh, elle est incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est ma série préférée, je pense. Est-ce euh, qu'elle a différent Dis-moi, dis-moi, pardon. Non, je disais salut Momo Dodo. Mais euh, ah, tu oui. vois, NG, elle disait que le problème, c'était que la série n'était pas traduite entièrement, c'est ça Alors, elle n'est pas traduite entièrement, elle est, re... elle est en train de ressortir, il me semble, parce qu'en fait, là, c'était Milady qui s'en occupait. Mmh. Mmh. Et euh, elle, va être, elle, va, elle est en train de ressortir, je crois. Moi, je l'ai finie en anglais parce que bah, j'ai pas de problème en anglais. Et effectivement, j'en ai eu marre d'attendre sa sortie, donc j'ai fini par. Euh... Oh Takashi, coucou! Merci Takashi! Merci beaucoup et bienvenue! J'ai fini, fini partout, par prendre les livres anglais, oui. Elle est partout pas. Je suis partout. Je suis partout. <rire> <rire> en fait, elle, avec Kofi, on, on l'a séquestrée, vous ne le savez pas, mais en fait, elle est quelque part ici. <laughs> Ils font genre qu'en fait, c'est un autre environnement, mais <laughs> je, je suis juste à côté d'elle, hein! C'est ma bibliothèque derrière, disons tu sais. <laughs> donc, euh, donc voilà, effectivement, ils sont pas traduits en entier, mais il y en a quand même pas mal. Il euh, y en a quand même pas mal qui sont sortis. Mmh. Je crois qu'il y en a 7, 8. Je suis en train Et de regarder, euh... t'as tome 1... Alors le tome 2, ah, si. il, existe pas... il existe plus loin. 4, 5... Là, je suis à 5, chez Milady. Chez Milady, ouais, il y en a que mmh. 5. Et euh, il me semble que c'est en train de ressortir, mais moi, j'ai lu tout le reste en fait, en anglais, effectivement. Mmh et elle est vraiment très très bien C'est pour une introduction de genre, c'est parfait pourquoi parce que franchement c'est bien foutu c'est bien écrit, c'est très drôle et ce qu'il faut avoir dans l'urban fantasy c'est qu'il y a un humour qui doit être omniprésent c'est très rapide en fait en rythme, donc c'est quelque chose d'assez plaisant, assez facile à lire et c'est vraiment, c'est des vannes en fait enfin c'est pas des vannes mais c'est c'est des pics en fait, il y a beaucoup ouais. de pics C'est un humour très américain, mais qui, est, pour le coup, est vachement bien parce que le genre vient d'Amérique, en, en grande partie. Euh, et euh, surtout, ça tombe pas dans le. Euh, on va écrire du sexy pour, pour écrire du sexy. Voilà. <laughs> mmh, ouais. Alors, ça, on en parlera plus tard avec la seule série que j'ai lue jusqu'au 11e tome, inclus. Franchement, je l'ai fini, mais j'ai cru mourir. Non, mais t'as lu jusqu'au 12e tome 11 11e tome franchement, tu as... enfin je veux dire ça va être dérivé et puis bon, on en reparlera mais <laughs> on en reparlera on en reparlera on une en reparlera tôt, ma patronne. <laughs> oui, Alors si du je coup sais, je sais pas ça, je sais pas chez qui ça regarder... ressort mais je bah, l'ai vu En fait si je crois que je suis dessus c'est sur euh, MXM bookmark donc sorcière à l'échafaud attends je crois J ai... J ai... J ai Parce que je l'ai faut savoir que c'est une des plus c'est une des plus euh, populaire populaire enfin c'est une série de plus populaire donc ça a c'est sorti dans plein plein de langues en vérité genre ouais. elle est sortie partout dans le monde. Donc du coup là j'ai vu qu'il y avait la réédition qui était en train de sortir petit à petit. Euh, bah, là c'est pour juillet 2022 de ce que je vois. Le tome 1. Ha <laughs> 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 Je suis tellement à la page <laughs> sans faire exprès. Non, mais hein. <laughs> incroyable. Alors là pour le coup, en plus la, la couverture est jolie, c'est dommage si c'est que en numérique, franchement ça serait dommage. C'est que numérique mmh ne bah pas trop, pour trop mais... Ils mettent, euh... Pff, non, je pense qu'en fait, tu... c'est juste que tu n'as pas encore les liens, parce que c'est noté papier, numérique, Kindle. Et mm. quand tu cliques, en fait, numérique et Kindle, tu as, mais pas papier, mais en même temps, il est pour euh, juillet, donc on peut l'entendre. Ouais. Peut-être qu'on euh... peut qu l'a en papier quand même. Ça ce bien, je me le prendrais en vrai. Si, euh... Franchement, euh, même s'il y a que les cinq premiers, moi, je te le conseille. C'est euh... vraiment la meilleure introduction au genre. C'est un... une des meilleures introductions au genre pour moi, c'est celui-là. J'ai pas commencé par celui-là du tout, mais incroyable. Je mets le lien Amazon vers le Kindle. De toute façon, Amazon et Twitch, ils sont ensemble, alors ça devrait aller. Moi, je les ai lus sur mes liseuses. J'ai mon ancienne qui a pété, mais en fait, j'ai mes listes de livres dessus en fait, en partie. Ah, c'est mon ancienne, et là, j'ai ma nouvelle liseuse. Et du coup, j'ai regardé tous les titres que j'avais dessus parce que le problème, c'est que je les efface au fur et à mesure, sinon, j'ai plus de place, mais voilà. Tu lis tellement vite aussi. <laughs> moi, ça m'est jamais arrivé encore de plus avoir de place sur ma liseuse, Enfin, personnellement, euh... <laughs> non, mais je te jure ça m'est jamais arrivé. Là, tu me dis un truc, c'est Lumira. Tu me dis un truc, c'est un... un ovni pour moi. Tu sais. Oui, mais je suis ça désolée. Euh, je... Mais c'est pour ça que je suis passée à liseuse. Je ne <laughs> peux pas me permettre de... de nourrir ma bibliothèque avec moins de lectures. C'est pas possible. Mais ouais, mais tu m'étonnes. <laughs> tu m'étonnes. deux fois des yeux, Lincode. Si tu as besoin d'aide, ne cligne pas des yeux. <laughs> Tu les yeux, mais j'ai pas fait exprès je, je vous jure je plaisante tu peux je plaisante <laughs> non mais je te jure donc voilà ça c'est oh ça c'est le premier. et puis okay. euh, hésite pas à me genre si quand je parle dans mes explications n'hésite pas à m'interrompre hein, je veux dire euh... arrête de dire ça moi j'aime bien quand tu parles dans tes explications je suis toute oui je je suis obnubilée par toi je voilà <laughs> ah donc voilà ça c'est le premier tu vois, chez Bookmark, l'ebook sort toujours avant le format papier. Il y a un mois de décalage en général. Donc, le papier, ah bah, ça devrait ouais. être août, du coup, j'imagine. Trop bien. Ah, par contre, il faudra attendre a toutes les à sorties. On va parler de bouquins. Mira, c'est le premier livre. Ouais. Voilà. Pour une fois que tu pas trop en retard. Voilà. <laughs> et je te dirais pas qu'il y a eu une dégustation de yaourt avant. C'est pas vrai. <laughs> c'est juste que la dernière fois, la dernière fois elle l'a loupé, Elle était dégoûtée et c'était drôle. Voilà. <laughs> bon, je vais me le noter alors, du coup. Je vais mettre du le coup, les races principales dans celui-là que tu vas trouver, ouais. ça va être les bases. Tu vas avoir du coup, euh, bon, euh, vampire, sorcière, mmh. euh, Elf, tu vas en entendre parler, pixie, fée. quoi? Les pixies, c'est euh, ouais. des genres de fées, en fait. C'est différent des fées. C'est légèrement plus grand. C'est pas, pas les mêmes choses. Ils sont plus farceurs que les fées dans, dans le... Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui, Donc, vois. du coup, tu vas principalement avoir euh, tout ce qui est en rapport avec euh, le monde celtique. Oui, d'accord. Merci, Alex, pour ton follow. D'accord. Ouais, non, je... Ça arrive, pixie. J'ai rarement lu de romans avec. Ça, ça va être très drôle. drôle, je pense. Ouais. Ça va être très drôle. Vraiment, l'humour, il est bon. Mais il y a aussi, enfin, je veux dire... Euh... J'ai euh, Ugly Cry euh, à un des moments, je veux dire, à un des bouquins, je veux dire donc il y, y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. Mais, euh... oh, trop Et mignon. Voilà. Ouais, <laughs> moi je pleure facilement à pas se mentir. Ouais moi aussi par contre <laughs> euh, ça, ça va être compliqué. Mais si Mira tu pouvais en hein, couper court avec, euh, au téléphone avec tes parents et dire qu'il y avait mon live en cours, je pense que ça se fait. Je, voilà. Moi je pense que je l'aurais fait. Euh, voilà. <laughs> Mais toi t'as pas le choix, t'es dessus <laughs> Oui c'est vrai Moi j'ai tout prévu, euh, voilà. Genre je suis là, je suis devant mon ordi depuis, euh, depuis euh, 8 heures, euh, j'ai laissé la caméra en avance et tout, elle me voyait me préparer. <laughs> tout à fait <laughs> c'est même pas vrai en plus je voyais ton ton fauteuil vide j'étais déçue non je sais je suis désolée <laughs> je ne vois pas où est le problème voilà Lisa c'est pour ça que tu as ton épée c'est pour ce genre de réflexion voilà ça y est <laughs> c'est exactement ça moi je l'ai noté du coup et il faut que je note juillet août après les sachant livres. que il y a quand même il y en a quand même cinq qui sont déjà sortis quoi mais oui, je crois si en a en un, plus, que en as un en plus dans ce que tu m'as envoyé attends non T'es sûr J'ai vu Sorcière mmh. pour l'échafaud dans ta liste. Hein. T'as la, la version, mmh. t'as ce livre-là, t'as celui de Milady je crois. Non Non. Tu veux un... Je sais plus ce que tu as tu envoyé. Tu confonds. Non, non, euh, franchement... Quand je, je regarde ta liste, de toute façon, je faut que je me, me remette en non. tête. Donc, euh, non, du tout. Ah non, mais je te crois, je veux dire, mais il faut que je me rappelle que je sais que tu Alors, t'as mon mais premier en livre... Il y en a un bleu, c'est peut-être pour ça. Euh, oui, il y en a un bleu. A... T'as mon premier livre que j'ai lu et c'est celui d'Yasmine Galénor, mais on en parlera plus tard. Euh, du coup, dans la tier list, si tu veux qu'on si qu passe au deuxième ou si tu veux poser à... des questions. Euh... Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Oh. <laughs> tu m'as sorti un nom d'autrice et j'étais en mode Attends, il est où <laughs> Alors, j'ai aucune mémoire des noms, plus... sauf pour des trucs comme ça, apparemment. <laughs> je sais pas pourquoi. <laughs> Moi, c'est nom, au fait. Hein. Bienvenue. <laughs> et Mirage, je plaisantais, bien sûr. Évidemment, tu sais bien. Tu sais bien. Mais oui, non, ça a l'air. Euh elle a l'air bien et en plus, franchement, la couverture, la couverture de chez euh, MXM là, elle est beaucoup trop belle. Je vous ai mis le lien dans le chat. Elle est trop belle. Ah oui, j'aimerais bien aller voir ça parce que du coup, tu as, si j'étais curieuse, attends. Après, ah oui, 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 j'ai hésité grandir, à la mettre mais... en photo et je t'ai envoyé, la... et plutôt que d'envoyer celle-là parce que c'est là que j'avais eu en premier aussi, oui, en ouais. premier retour. J'ai pris ouais. celle de, de, du livre que moi j'avais. <laughs> bah oui, t'as raison. T'as raison. En plus, celui-ci, il n'est pas encore sorti finalement dans cette, euh, cette version-là. En format Kindle, il est sorti. Ah non, précommande. Ah ouais, non. Ouais, non. non le 13 oh, juillet. Je, je suis tard, c'est regardé. Des fois. regardé. <laughs> non, mais ouais, ouais, je suis. Pff, je, je suis désolée. <laughs> pas être. Alors, du coup, si tu ah veux, là, là. Euh, on peut passer au deuxième que je t'ai envoyé. C'est oui, du coup Patricia Briggs, en autrice. J'ai encore perdu ton PDF. T'as dit quoi <laughs> mais je, fous. je disais, j'ai encore perdu ton PDF, mais c'est pas grave. C'est pas là. grave. Que tu vas ah, pas perdu non, non. moi. <laughs> je, les ai mis, je les ai mis dans l'ordre de toute façon. <laughs> Alors, euh, on passe du coup sur Merci Thompson euh, de Patricia Briggs. Oh, pardon, pardon. J'ai fait un 10 Luna, mais elle n'est pas là. Je suis désolée. Oh, Luna, elle dort en bas. Elle a été kidnappée par Kofi. Faut que je te rende. Regarde s'il n'y a pas Berlioz, mais non. <rire> <rire> Sinon, on échange, tu vois, vas-y. <laughs> Merci, euh, du ben coup, dis. du coup, merci, merci thompson euh, C'est vraiment, c'est vraiment aussi. C'est, euh... mm. alors là, on, euh, on est sur quelque chose de plus. Euh... Mm. On est vraiment sur une opposition, c'est-à-dire que pareil, euh, on est dans un monde où, en fait, les gens sont au courant euh, de l'existence des euh, des créatures mystiques, mm. euh, mais ça se passe pas trop bien. Enfin, c'est pas, c'est pas accepté aussi bien parce qu'il n'y a pas d'événement qui a fait que. Euh... Qui, qui, enfin, il n'y a pas eu un événement mondial qui a fait qu'ils n'avaient pas le choix. Il y a eu la crise, donc ils sont sortis, tu vois. Mmh. Donc euh, même si c'est déjà difficile d'autre dans, dans, côté, ici c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que en gros, il euh, y a que certaines espèces dont on sait qu'elles existent en fait, et ils font en gros petit à petit ils font leur, ils sortent du placard en fait par par rende mmh. euh, Mais ils ont été parqués euh, pour beaucoup dans des, euh, dans des réserves. Et l'héroïne est, euh, est donc amérindienne, enfin en partie amérindienne, ce qui fait que euh, tout le lien entre euh, réserve, parquet, quelqu'un dont l'héroïne fait partie, de, elle, carrément de la mythologie amérindienne, et non pas celte, ce qu'on trouve beaucoup moins souvent. Dis-moi. Non mais je l'ai en fait, le premier tome, celui-là par contre. Oui C'est juste que t'as mis le tome 8 J'ai mis le tome 8 parce que je le trouvais grave joli euh, <laughs> en couverture. Oh. Le tome 1, c'est celui-là c'est de l'appel de la lune ça... il est incroyable voilà comme ça tu, tu peux continuer je, je ouais. reste comme ça. <laughs> et donc du coup euh, voilà on va suivre du coup euh, mercedes thompson qui euh, est une garagiste qui répare euh, non pas des mercedes mais euh, toutes les voitures allemandes donc voilà euh, c'est donc une héroïne qui est pas du tout féminine dans le sens où euh, ou dans le sens en fait euh, elle n'est pas forte poitrine, euh, en mini-jupe, euh, en train de faire je sais pas quoi. Non, non, c'est quelqu'un qui, qui euh, a son business, qui s'occupe de ses trucs, qui est, qui est garagiste, euh, qui, euh, qui vient donc euh, d'une famille. Enfin, euh, elle vient d'une famille recomposée. tout le long du truc, on se, on aura petit à petit les choses sur elle. Mais mm -hmm. tout ce qu'on sait, c'est qu'elle des origines aussi amérindiennes. Et donc, elle, c'est une métamorphe pas dans le sens euh, loup-garou ou quoi que ce soit comme on a euh, au niveau celtique, mais euh, ce qu'on appelle une changeuse de pose qui vient donc euh, des des, euh, des mythes euh, des mythes d'Amérique du Nord, donc euh, des, des indiens d'Amérique. Euh, et, euh, et voilà. Donc elle est entourée en fait de, euh, de, de, de gens qui sont par contre eux, des fées, euh, des trucs qui viennent du, de, du monde celte. Et en fait, il va se passer des trucs euh, petit à petit, mais c'est vraiment incroyable. Pareil, ça joue pas sur le côté sexy à outrance du tout. Euh, c'est vraiment elle, c'est vraiment euh, très satisfaisant, Quand je trouve. Un petit peu sur la couverture. De quoi ah comme Ah, Benjamin, il n'était pas au courant. Hein <rire> <Voilà>. <rire> <rire> non, mais oui, oui, vraiment. je sais, euh, je sais. C'est la couverture à est. mais euh, mais par contre, dans le contenu, c'est vraiment, euh, c'est vraiment vachement cool au niveau de. Euh, de comment la, la, bah, la femme se gère, elle a besoin de personne, euh, mmh. voilà quoi, enfin, c'est vachement bien. Et c'est vraiment très bien écrit, c'est très très bien au niveau de tout ce qui est euh, tout ce qui mid celt on en apprend énormément. Euh, il va y avoir pas mal de, de semi-dialogues en allemand en fait qui après vont être traduits, etc. parce que euh, certains viennent de tel endroit d'Europe, mmh. etc. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Euh, et. Euh, Vraiment, je le conseille. C'est un des trucs sur lesquels on peut pas passer, c'est les Mercy Thompson. Ils sont très, 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 très bien. Mmh. Si même et moi, euh... je vais le tome 1. En effet, je veux bien l'entendre. <laughs> non, vraiment, ici. incroyable. Prends soin, de toi, hein. prends soin de toi. Si tu te sens pas très bien, tu as raison. Va te reposer. Des gros bisous, Mira. Mmh. Et par contre, tu as tellement bien réussi ta transition parce que derrière le tome 1 t'as un commentaire de Kim Harrison, auteur de Sorcières pour les chapeaux, qui dit, excellent, un pur moment de plaisir. <laughs> J'avais oublié <laughs> je jure, ça. Je te jure. <laughs> C'est vrai, vrai que dans les trucs d'Urban Fantasy, il y, y a toujours, en fait, des commentaires des autres, euh, autres auteurs-autrices oui. de d'Urban Fantasy. Bien bien <rire> 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 vous êtes trop mignon, Pop et Takashi, mais il n'y a pas de soucis. C'est pas parce que vous êtes restés pas très, très souvent ici et que, voilà, ils sont trop chouchous. Ils Disent que Kofi les prend en, en otage. C'est possible mais pas en Mais du fait. tout. En même temps, c'est possible. Si, c'est possible. J'ai juste que me Coffee chercher à boire, j'ai oublié. J'arrive. Vas-y. Vas mais euh, moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Il est possible que Kofi vous, vous prenne en otage. D'ailleurs, Linko est actuellement prise en otage aussi, donc vous voyez, c'est possible. Moi, je l'ai pas lu hein, personnellement, mais apparemment, je l'ai dans ma pile à lire. Je viens de le découvrir, donc euh... ça peut être pas mal. Mais vraiment, ouais, je ma si tu l'as. Bah, si tu l'as voilà, en plus, franchement. Euh... C'est ça. Il y a une carte, mais elle n'est pas ouf hein, quand même. <laughs> ça fait très urbain. <laughs> bah, en fait, tu... je crois que c'est la carte de la réserve, si je ne me trompe pas. Ouais. Et, ça, les et les sa proximité clippies. proche. T'as plusieurs cartes normalement, selon les. Euh... Ah, mais c'est des endroits, c'est très petit, c'est peu étendu en fait. Hmm. Ok. Donc voilà. Et. Euh... Très soft, après Angie. Hum? Mmh oui oui c'est ça c'est très soft c'est respectueux et tout enfin c'est vraiment bien genre ma poitrine de la dame d'accord c'est en fait il y en a et toi tu sais de quoi je parle c'est où c'est super et puis à un moment ça bascule et c'est la déception c'est la déception et c'est juste que c'est dommage parce qu'ils auraient de quoi faire un truc super mais ils se concentrent sur le côté sexy voilà alors que là non c'est vraiment ça reste Génial tout le temps. Euh, il peut y avoir des histoires d'amour, mais ça va pas être, euh, voilà, franchement, euh, rien à voir. C'est grave Lisa, cool. Visage competi. Persuadée que j'avais le tome 1, Effectivement, je l'avais, mais j'avais zappé que je l'avais vendu sur Vinted. <laughs> oh, <c 'est... rire> Les couvertures ouais, sont souvent kitsch. Ouais. La, souva... La couverture me donne pas du tout envie. Momo dodo qui... qui hésite pourtant souvent à l'acheter. Donc comme... après, je pense que tu as un vrai code dans les couvertures d'urban fantasy, oh, que ouais. chez Milady, tout se ressemble. Surtout chez Milady. Les... Ouais, 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 ouais. Elles se ressemblent toutes, franchement. On va en montrer euh, après, ouais. c'est pareil. Mais c'est pour ça je que, que j'ai pris cette couverture-là euh... parce ouais. que je trouvais que ça faisait un peu plus badass, un peu moins euh... que le premier ouais, en fait, ouais. tout simplement. Donc euh... j'aime bien regarder les couvertures, mais en fait le problème c'est que les couvertures américaines sont pires, Elles sont bien pires. Ah ouais <laughs> Ah, c'est terrible oui, <laughs> J'ai regardé les déchiré. couvertures de Rachel Morgan, c'est des talons ouais. aiguilles avec du sang qui coule et machin... <laughs> On se court, mais... <laughs> Ça n'a rien à voir non. Je veux du numérique Je ne veux plus les couvertures <laughs> Non mais ouais, mais après après en fait c'est pas qu'elles sont pas top chez Milady les couvertures, oui. c'est que... Euh, ils ont un public, ouais, ils vont faire un type... Enfin c'est sûr, comme ça c'est bon chez ça. tous les éditeurs les éditeurs vont avoir un type de couverture parce qu'ils ont un type de public et s'ils font autrement ils vont s'en prendre plein la gueule et il y aura moins oui, de ventes c'est aussi bête que ça c'est vraiment aussi bête que ça, tu, tu dois contenter ton public aussi, le contenu sera bien il faut, voilà, faut, passer, faut passer à autre chose quoi. Ouais. Mais <laughs> quand tu regardes, tu sais, sorcière pour l'échafaud qui, euh, qui arrive chez MXM c'est clairement leur charte graphique à eux tu vois, Oui. et pour le coup je oui, la oui. préfère c'est vrai mais en même temps peut-être que dans 10 ans je te dirais l'inverse, tu vois ce que je y a veux bien dire mais ouais, ouais, j'arrive, hein, ouais, je suis vas rentrer vas-y, vas-y, va ouvrir. Oui, il a pas de soucis. Oui. Les couches chez Milady, c'est vraiment pas top, ouais. Ce serait bête de passer ah, à côté de juste te te chouette juste à, à cause de la couverture. Mais en fait, c'est ça. Moi, si vous voulez... Attendez, je vous montre. Allez. Tu, 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 tu. Je vais sortir avec toi. J'ai retrouvé tout ça. J'ai retrouvé tout ça, en fait. Regarde, je ne leur montre pas les... <laughs> j'ai retrouvé tout ça dans ma bibliothèque. Et en fait, il je... y en a un seul que j'ai lu là-dedans. Et je pense que c'est aussi à cause un peu des couvertures qui ne donnent pas très envie, quoi. Bah, ça ne donne pas l'illusion, on ne se dit pas, ouais, c'est vachement bien pour les femmes. Euh... C'est ça. <laughs> ça. Ça sent pas, pas le ça. power man, tu vois, ça sent le, ouh, non, mais je suis sexy, fait. je vais croiser oui. un vampire, il va se passer des choses. Non, mais c'est <laughs> ça, c'est exactement ça. Et Takashi, tu vois, on ne juge pas un livre à sa couverture. En fait, c'est l'inverse, quand tu vas dans une librairie, tu vas pas lire tous les résumés de tous les livres, on est d'accord. Donc en fait, la première chose qui va t'attirer, c'est la couverture et qui va faire que tu retournes le livre pour lire le résumé. Donc en fait, tu ouais. choisis déjà un peu euh, à la couverture. C'est plus important la couverture Quand en vrai. Mais moi, pas. en fait, du coup, je suis très attirée par la couverture de Milady. Ouais. Parce que. Mais parce euh, que tu sais. Je sais en fait justement mmh. ce qu'il y a comme genre derrière. Bah bien sûr. Et voilà. Mais tout à fait. Je et tiens à tout. préciser que Berlioz est venu devant la, devant la porte, à miauler, à gratter. J'ai ouvert, il m'a regardé, il non. est il est reparti. <rire> <rire> il est reparti à miauler en disant tu viens avec moi. <laughs> non. Et oui, la Beatleet, c'est de l'urban fantasy un hein, monde pitch tout. Oui, c'est une, une section euh, d'urban fantasy. Ouais, tout à fait. Sauf que ça ne, ça ne, ça ne euh, contient que loup garou et vampires parce que beat c'est mordre et du coup voilà. Mm. C'est BIT, mais pas BITE, quoi. C'est <laughs> important. Sur Twitch, tout pareil. Pareil. <laughs> 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 euh, je juge tellement par la couverture, bah oui, Mélanie, tu vois. Joue pour 90 Mais oui, t'as raison, t'as gâché, ça reste qu'une expression, hein. En effet, ça marche dans plein de domaines, mais dans le domaine du livre, je pense qu'en effet, ça marche pas. Ça marche pas. Si, quand tu lis des manuscrits sans couverture, là, en effet, ça marche, j'imagine, pour les... pour les éditeurs. Au départ, bah moi, j'ai déjà, euh, déjà critiqué la couverture de mon père, par exemple, mais il me disait, bah ouais. euh, moi, je dois les faire comme ça, parce que mon public, il est comme ça, et voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais il commence à varier, donc ça va, mais... Mm. <laughs> c'est une collection de chez Milady, pas un genre. ouais tout à fait, c'est vrai. Mm. À la base, c'était chez Milady. Oui, oui à, à la base, c'était chez Milady, dit, mais... C'est un, un peu étangue. débordé de partout en fait mmh. maintenant. Genre, c'est ouais, euh, ouais. utilisé. Euh... Le truc, c'est quand. J'en mmh. parlerai plus tard parce que j'ai fait une section Milady d'ailleurs, c'était marrant. Je mmh. <laughs> sais pas si t'as vu tout en bas. Ouais! Vu. <laughs> mais, euh, mais voilà, euh... Milady, ça a été très important pour l'urban fantasy en France. Mmh. Ouais, et puis après je pense qu'avec la grosse vague euh, Twilight et tout ça, tout le monde a voulu mettre du vampire un peu partout. Tu vois ce que je veux dire <laughs> Et du coup, ça a débordé de Milady, tout ça. <laughs> oui, 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 voilà. Mais pareil, euh, Twilight, c'est l'urban fantasy, mais c'est pas noté comme ça parce que c'est avant tout une lecture dite adolescente. Ouais, ouais. Mmh. Puis ça le a pas fait du bien au genre, quoi. Avant, ouais. <laughs> ne m'entends pas. <rire> <rire> non, on va pas se mentir. Non. Le young adult a été mis avant, ouais. en avant en tout cas. Ouais, tout à fait. C'est toi qui fais les plaisanteries douteuses ici, mais Pop, c'est toi qui les fais partout, tu sais. Grave. Pas que ici. Chez Linco, <laughs> chez Kofi, pareil. Tout pareil. C'est une shame. <rire> 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 bah, du coup, moi, merci tom Z, Ouais, j'ai déjà le premier tome, donc. Euh... Franchement, franchement, hésite pas. Mm -hmm. C'est super agréable à lire. Mais si je avez euh, avec... fini déjà demain, tu vois. Ça... C'est genre. Ouais, mais c'est ça en fait. En plus, le truc avec le Urban Fantasy, c'est que ça se lit vite. C'est pas ouais. des lectures qui sont lourdes, c'est vraiment très léger. Mais ça c'est bien, Donc euh... ça, bien. Mais ce que Oui, ça fait dans du bien. au début, c'est ce que j'aimais dans l'autre au début. Mm. <laughs> si tu veux, on peut passer à euh, mon troisième du Gottier. <laughs> mm -hmm. Mais, Mais si tu veux rester plus sur ça, il euh, n'y a pas de souci. Euh... Bon, non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense. Twilight, ça a été le livre qui m'a fait découvrir la bonne fantaisie Ouais, bah oui, je pense que pour euh, pour pas mal de gens, ouais, epic quick. Bah après, moi je l'ai lu, hein, Twilight, ma sœur me l'avait mmh. offert, euh, et j'ai bien aimé les livres, hein, j'ai pas... ai bien aimé les ouais, livres, franchement, c'était pas si mal que ça, c'est de, de la littérature euh, young adulte mmh. Je suis même pas sûre que c'est ouais, young ouais. adult, c'est plutôt adolescent même carrément, mais enfin, voilà, mmh. euh, mais, mais c'est pas si mal. Le film... C'est pas pareil. Est-ce <laughs> qu'il est, -ce qu est <laughs> Non mais c'est ça, en fait, moi par rapport à mon vécu, je suis exactement du même avis que toi, c'est-à-dire que ma sœur a découvert Twilight je pense que le deuxième était en train de sortir, personne connaissait. C'était au fin fond de la petite librairie de la petite ville où on habitait. Et en gros, elle l'a pris en disant Ouais, ben, on va essayer, j'ai jamais rien lu sur les vampires. Elle me l'a passé, on a bien aimé. Il a fallu attendre les tomes 3, 4, 5, etc. Et si tu te souviens, tu vas te faire attaquer par un moustique Oui, <laughs> tu l'as vu <laughs> le... J'ai eu la peur en moi <laughs> Et en fait, si tu te souviens. Euh, je pense que le, le film numéro 1, il a dû sortir à peu près vers le quatrième, un truc comme ça. Donc nous, on connaissait depuis franchement au moins deux ans. Et, euh, et au final, on aimait bien et tout. On est super confiante voir le premier film. Et là, ça a été la déception. Et ah pour ouais, la suite, ouais, ouais. j'avais bien aimé les films, on est, euh, les, les livres. Pardon, oh mon Dieu, ce lapsus horrible. Les livres, mmh. on est quand même allé voir le 2 en disant, ça peut pas être pire que le 1. Je me suis endormie. Je me suis, première fois et seule fois de ma vie, où je me suis endormie au cinéma. Ah, C'est marrant, je me suis endormie dans le premier mois. C'était blindé. Moi. C'était blindé. Et en plus, avec ma soeur, on ne pouvait même pas être à côté, tellement on a pris les deux dernières places. Donc, il y en avait une là, une là. Et je me suis endormie en n'étant pas à côté d'elle, en fait, parce qu'on ne pouvait pas rigoler. Donc, euh, je me suis endormie. <laughs> Donc, plus jamais, je n'ai même pas vu les 3-4, euh, je ne sais pas combien il y en a, mais je ne les ai pas vues. Parce que ça ne sert à rien, de toute évidence. Bah ouais, bah y... <laughs> J'ai vu le premier au cinéma aussi. J'ai vu le premier euh, aussi au cinéma et euh, j'ai aucun souvenir <laughs> du film en fait. Genre il m'a vraiment même pas marqué. En fait je faisais pas attention au film. Je, je venais juste d'avoir un petit copain donc on faisait un petit peu des bisous, on va pas vous mentir. Mais euh, mais surtout en fait c'est que j'ai fini par m'endormir quoi. Qui est-ce qui avait fait ce sondage Il est tellement bien. <laughs> Tant qu'on parle de select plutôt Tim Edward ou Jacob. <rire> <rire> je <ça> ouais. <rire> <rire> moi j'ai mis Jacob. Hein. Edouard, il était trop... Chou. Ouais. Mmh. Non, mais en fait... En fait, j'aime pas les persos que tu es censé apprécier. Ouais, moi non plus. Genre ceux qui sont... Genre... Enfin, J'ai le syndrome ma de... Je déteste Superman et tous les personnages équivalents. Mmh. Mais c'est exactement ça. C'est genre... C'est ma malédiction. J'aime toujours les seconds rôles. C'est-à-dire que je préfère toujours.. Si t'as un triangle amoureux, je vais toujours préférer et vouloir qu'elle choisisse celui qu'elle ne prend pas. Mais toujours. Je prends toujours le... la troisième roue du carrosse, moi. Toujours. Okay. Non moi non mais je, je prends mais euh, mais je j'arrive pas avec les, les garçons les garçons gentils euh, ouais. qui sont tout clean qui sont tout beaux qui ont les traits tout parfaits mmh. c'est pour ça que je dis mmh. le syndrome de superman c'est genre le mec ouais. qui, est, qui est censé être parfait qui est censé apprécier. je le déteste parce qu'il a pas de saveur il a il a pas de profondeur genre il est juste là ouais. pour, pour être parfait en fait et du coup moi ouais, je suis une spike tu vois genre oh, typiquement je un... <laughs> on est tout à fait d'accord et Takashi, tu nous dis, Milady, il me semble que ce sont eux qui rééditent les résidents Evil, villes. T'es sûr Alors, c'est ce que je disais. En fait, Milady réédite tout ce qui est pop culture. C'est-à-dire que ah, les, oui. les livres Assassin's Creed, les livres Buffy, les livres sur The Witcher, tout ça, tout ça, c'est chez Milady. Okay. Ils ont une grosse section là-dessus, en fait. En fait, vraiment, c'est pour ça, Urban Fantasy. Tout ça, c'est pour ça que je dis pop culture parce que finalement, j'ai l'impression qu'ils ah, se spécialisent oui, ça, vraiment hmm. là-dedans. Et ils ont une grosse section romance aussi, je crois. Mais ça, j'ai jamais regardé ce qu'il y avait là-dedans parce que. C'est pas ma cam quoi. <laughs> je peux comprendre. Le 2 il se passe pas grand-chose en même temps. Bah, de toute évidence, pas assez pour me tenir éveillée. Benjamin. Ouais, tout à fait. <laughs> tout à fait. Mais même dans, mais euh, c'était en même temps. Je veux dire, quand je repense au livre, c'était casse-gueule. Je veux dire, euh, même dans oui, le livre, t'as une phrase et t'as genre euh, tel moi, une phrase tel moi. Donc c'était mmh. un peu casse-gueule à faire passer. Je veux dire là. Mmh pas facile à adapter. Ouais, mais tu vois dans le livre ça passait. Peut-être aussi parce que c'était le premier de ce genre-là que je lisais aussi, je sais pas. Mais, euh, mais je pense que c'était ça aussi le premier young adult un peu urbain. Non mais il était. j'ai beaucoup, beaucoup aimé les livres. Mmh. C'était pas mal. Mmh. C'est pas mal. Edouard <laughs> il me dégoûte carrément. <rire> <rire> bon c'est vrai oh. que le truc du, des, 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 des des vampires qui brillent au soleil. Bon. Oui. Bon. Bon, écoute, il voilà. euh, y a des rayons de soleil tout le temps, d'accord Mais bon. Non mais, Lisa, t'as tellement triché Lisa, t'as tellement triché, je l'ai vu elle, elle est en mode, tiens, Edouard, grand vainqueur, mais elle a triché, elle a mis 4000 points, 4 points de chaîne pour y arriver, quoi. Ah oui, d'accord, tu un... mets les points de chaîne <laughs> Non mais. <laughs> Alors, si tu veux, euh, so bon, on, peut, on peut continuer à parler de ça si tu t'as envie, si tu non. veux, on peut aussi passer au, au troisième, troisième. Euh, si enfin. jamais. Du coup, ou... euh, ouais, donc c'est euh, donc Kate Daniels de Ilona Androse, euh, incroyable, incroyable, très euh, très différent, très très différent de, de, de tout en fait. Attends, je, pas, je me fais harceler, je vais dire excusez-moi, mais je pareil, suis. celui ressorti. Hein Celui-là, c'est pareil, il est ressorti. Celui-là, il est ressorti, j'ai vu les couvertures, j'ai acheté, euh, mon, mon, mon père a acheté les. les, les... Les nouvelles couvertures, mais comme en fait, moi j'avais celle-là, j'ai préféré aussi mettre celle que sur lesquelles moi je l'ai connue. Mmh. Mais je l'avais pas acheté, celui-là, comme ça, il est pas quelque part euh, par là. <laughs> je, je, euh, part. Je sais. Attends, je sais plus, mais en tout cas, en tout cas, euh, d'ailleurs, je crois qu'elles sont vachement jolies, les nouvelles couvertures, ouais. mais je trouvais que ça faisait trop. Euh... C'est encore la femme qui est mise en avant, et là, je trouve que finalement, c'est pas si mal parce que c'est mmh. on sent qu'il est un peu différent, ah bah... même si elles sont un peu pâteaux, mais donc du coup, c'est MXM comme le premier. Ah bah voilà. Euh, du coup, euh, Kate Daniels, euh, pareil, on, euh, les gens sont au courant qu'il y a euh, qu'il y a une autre, euh, qu'il a de la magie en gros. Euh, ce, cette série de livres est incroyable, vraiment, vraiment. Il faut il les yeux fermés, on peut y aller. Euh, c'est incroyable, c'est basé sur une dualité, mais à l'extrême. Entre technologie et magie, c'est-à-dire que les hommes, ont, en fait, ils partent du postulat que il y a eu une période de magie dans le monde, genre euh, médiéval, tout ça, etc. Et puis maintenant, après est venue la période de la technologie. Elle a été poussée à un tel extrême que les hommes, en fait, ont euh, ont en fait perturbé le monde entier. Et donc, technologie et magie ont pété la gueule du monde, en gros. <laughs> et il y a des vagues de magie et des vagues de technologie, en fait, qui, ouais. qui prennent qui prennent euh, le... qui prennent en fait, leur place chacune euh, l'une à leur tour en fait, sur le monde. Et euh, donc, la population doit s'adapter. C'est-à-dire que les buildings sont grignotés petit à petit par euh, la magie. Euh... Tout, ce qui est, euh, tout ce qui est magique ne marchera pas pendant une vague technologique, donc tu peux réutiliser ta voiture. Mais si d'un coup, il y a une vague magique, il faut que tu prennes un autre, un autre véhicule qui puisse fonctionner, etc. Ouais. Voilà. Donc vraiment, c'est... Mais là, c'est carrément apocalyptique. C'est-à-dire que les villes sont en très grande partie détruites. Euh, c'est vraiment... Euh il y, y, y a des trucs pauvres de partout enfin franchement là pour le coup c'est hmm. le monde en a chié <laughs> mais euh, et du coup on va suivre du coup Kate Daniels qui est, euh, qui est plus ou moins euh, chasseuse de, chasseuse de, de primes en fait euh, finalement euh... <laughs> mais, euh, mais en fait on va suivre ses aventures et c'est vraiment, euh, euh, vraiment incroyable c'est incroyable c'est vraiment trop bien t'as dit quoi Arrête d'en parler, ça a l'air trop bien. <laughs> non vraiment, euh, c'est vraiment Kay Daniel, c'est une perle et c'est très différent surtout. Tu disais Il y en a combien dans cette saga euh, tu sais attends, attends, je les ai tous ai lus. Il y en a 6, si un... je crois maximum ou 7. En... Il n'y a pas ah, tant ah, que ça pour un truc de urban fantasy. D'accord. Et ils sont pas longs. C'est pas des bouquins très longs. Il y a dix. Bon d'accord, bon 10, Mais ils sont pas longs. Bon ok. Ok. Mais euh, non, vraiment, vraiment, elle est incroyable. Euh, mais du coup, ils sont aux, aux États-Unis, ils sont à Atlanta. D'accord. Euh, et, euh, et vraiment, euh, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Il y a des nécromanciens. Alors, dans ce que tu vas retrouver là-dedans, ça va être surtout tout ce qui a trait euh, au mythe celtique, dans ce que tu retrouves la plupart du temps finalement. Euh, tu vas avoir euh, de la magie, enfin des magiciens, des sorcières, tu vas avoir des petits, tu enfin tu as donc tu as le truc du mon grec un petit peu quand même, mais euh, c'est vraiment 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 cool et elle est complètement ouais. badass, euh, c'est pas du tout notion euh, notion de séduction euh, dans le sens où euh, quand ils vont la décrire, euh, elle va être euh, d'une telle beauté hypnotisante, non, mmh. c'est vraiment euh, c'est une c'est une femme dure qui a une apparence de femme dure et qui vit très très bien et qui euh, ouais. qui vit sa vie en fait dans, dans plus ou moins dans la violence, mais qui, qui vit très très bien d'être d'être de se débrouiller toute seule et de, et d'être badass quoi en fait <laughs> et elle est et c'est vraiment vraiment très bien c'est vraiment très bien c'est un de mes premiers là, et il était trop cool là tu vois je... enfin je regarde un petit peu euh, la saga sur euh, Livre Addict euh, de enfin sorti chez MXM et en fait ils te disent alors déjà ils comptent jusqu'à 14 alors qu'il n'y en a pas 14 ça doit être 12 j'imagine mais de quoi en De livre Peut-être qu'il qu y a ceux qui ne sont pas sortis ouais. en France aussi, parce que j'ai fini ah, en, en anglais, je crois aussi. Je crois que c'est 11. 10. Oh, je ne comprends rien. Alors, euh, Je pense qu'ils ont très très mal rangé les choses. Je ne vois pas d'autre solution. Si vous dites 10, c'est que c'est 10. Et euh, par contre, Lisa, elle te dit il faut pas me dire qu'on peut y aller les yeux fermés, sinon ça va finir en achat en fin de live. Mais en ah, vrai, non, franchement, je vous le conseille. Je vous, euh, Il est vraiment très très, très possible, bien. Il est vraiment très très bien. Mais les trois, les trois dont, dont j'ai parlé là. <laughs> si vous voulez tenter l'urban fantasy, enfin je veux dire, c'est. faut pas hésiter, quoi. Ils sont vraiment très bien. Ils sont vraiment très très bien. Après, les yeux fermés, c'est un peu compliqué quand même. Bah, c'est parce qu'en fait, il est vraiment différent des autres. C'est. Ouais. Euh... C'est vraiment. Non, ouais, vraiment, il est différent. Je veux dire, Ilona, elle écrit d'une certaine manière, Ilona Androse, elle a écrit d'autres trucs que j'ai lus qui sont bien aussi. Euh, elle a une, je sais pas. C'est vraiment euh, celui-là. Il passe, il passe, comme on dit, passe crème. Enfin, il passe vraiment bien. Euh, c'est mmh. bien écrit. C'est, juste, c'est juste cool. C'est un peu difficile au début de se faire la main sur le. On nous, on, nous, on, nous, on nous catapulte dans un monde en fait où, où tout, est, euh, tout est, en dualité, tout est en vraiment. Enfin, je veux dire, c'est un peu apocalyptique dans le sens où vraiment, c'est un peu la cata. Tu dois comprendre ce qu'ils disent. Vraiment, il te l'arc au milieu en disant oui, et là il y a une vague magique qui arrive donc du coup ma voiture elle marche pas, t'es là genre. oui, mm -hmm, mm -hmm. oui, oh, vague magique. <laughs> La voiture marche pas, oui, oui. <laughs> enfin, tu vois, c'est trop trop bien. Bah, mon pitch est plutôt d'accord avec toi, hein. c'est des valeurs sûres pour, pour mon pitch aussi a mmh. marie qui me dit qu'ils ont sans doute compté les nouvelles ajoutées en fin de tome en France. Ouais, ah oui ça. oui, mais ça en général je lis pas, genre le point... parce qu'en fait t'as beaucoup dans le Roman Fantasy, t'as genre des 2.5, 3.5, avec mmh. le point de vue du héros masculin. Et j'en ai un peu... Euh... Rien à carrer. <rire> <rire> mais euh, mais parce que... bon... Vous voulu enfin, lire ici, les yeux fermés en vidéo. Je... <laughs> Une fois je l'ai dit, une fois j'ai dit, allez-y, vous pouvez le lire, les yeux fermés. Et là, tu sais, je me suis stoppée dans la vidéo, je me suis mariée au montage, bien évidemment. Je fais, non, ça va être un petit peu difficile. Et du coup, j'ai coupé, j'ai coupé ce moment-là. <laughs> mais mais j'avais beaucoup euh, beaucoup rigolé. Ah oui, c'est d'ailleurs sûr pour moi. Oui, après ça peut être, ah, ça peut oui, être différent, mais oui, mais oui, c'est pour ça, vu ça vu que je précise bien les genres, ce qu'on y trouve, etc. Parce qu'après ça reste mon avis, mais c'est quand même, ouais j'en ai beaucoup beaucoup lu. Et euh, en fait là ce que j'extrais c'est des trucs qui sortent du lot, qui sont plus ou moins différents parce que sinon il va y avoir énormément de vampires avec une personne qui découvre la société vampirique alors que le monde n'est pas au courant de ce qui se passe et blablabla et finalement ça va être l'âme sœur de, du chef de machin truc qui va... Enfin ça va être beaucoup beaucoup de trucs comme ça donc j'essaie mm -hmm. de tirer l'épingle un peu du... De qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est géré différemment d'une manière mm -hmm. intéressante en fait. Mon petite Nanu a envie de tout acheter. Et elle pas. Bah, tu peux en vouloir, elle est Pour une fois, euh, franchement, je suis pour rien. Désolée, je suis rien de passionné en plus. <laughs> Et Andy, on a conseillé vrai. Merci Thompson juste avant en plus. Ouais. Bah attends, ici. Tadam <laughs> Mais en fait, euh, c'est pas pour rien finalement que tu vois, elle a la moitié moitié habits, Il y a un, tout un truc sur les couvertures qui sont pas mal. Si tu regardes la couverture que moi je t'ai filé. Ouais. Euh, tu as une différence. Si tu veux bien la remettre vite fait en photo, ouais, ouais. ça dérange pas trop Non. Regarde, tu vois, c'est les tatouages en fait. Donc euh, selon les couvertures, ils ah, exposent oui. différentes parties du corps parce qu'il y a différents tatouages. Chaque tatouage en ouais. fait va donner un indice sur le contenu, sur les grands méchants ou sur les personnes qui ah, vont être concernées par le livre. Ah, c'est intéressant. Du coup, d'accord. Donc, en fait, là, je crois que dans les failles de la nuit, si tu regardes un peu les symboles, je crois que ça va être en rapport avec, le... avec des vampires. Il me semble qu'il va y avoir dans l'eau, mmh. tu vas retrouver des vampires, et du coup, en fait, tu vois tout ce qui est en rapport avec ça. Quand ça va être en rapport avec la meute, tu vas avoir d'autres choses, etc. Et donc, le premier, ça concerne elle, et donc, la seule chose qu'on voit, c'est son haut qui est relevé, et donc, il y a la, la patte de coyote qu'elle a tatouée sur le ventre. C'est trop intéressant, du coup. Mais du coup, tu t'amuses à regarder les couvertures. Je donne le bonbon de Luna que Takashi a donné tout à l'heure. Ah ouais, ouais, ouais j'aime bien, bien, bien te regarder. <laughs> mais c'est les seuls qui ont, que j'ai vu qui avaient fait un truc comme ça, mais du coup je crois que c'était bien foutu. Je crois que c'était bien foutu. Mmh. Bah oui, du coup c'est intéressant, enfin c'est... Euh, j'ai pas le mot, c'est... Euh... Bah intéressant, ça marche. Je... Ah putain, <laughs> je vais faire ma bilingue en mode putain, je l'ai en anglais, mais non, c'est juste que je regarde des séries en anglais. C'est pertinent. Mais oui, je sais qu'avec toi. Ah oui. Bah oui, bien sûr. Avec toi, j'aurais. mais je comprends. le fait de perdre le mot en français. Moi, c'est terrible. Ouais, mais toi au moins, c'est ton. Enfin, c'est. ce que tu fais tous les jours. Moi, ça n'a aucun rapport. Je regarde juste des séries. Non, mais non. même quand je n'enseignais pas l'anglais, je veux dire, comme je regardais tellement de trucs en anglais, bah force. C'est tout simplement. C'est ça qui te vient en tête. Donc c'est. Il y aura toujours quelqu'un pour dire c'est pour te la péter, tu vois. Mais c'est pas. voulu, en vrai. On fait pas exprès. laissez nous. Par contre, ça m'est jamais arrivé en coréen je suis un peu déçu. Ça m'est déjà arrivé en <laughs> coréen. Et en japonais, ça m'est arrivé aussi, c'était terrible. Wow. <laughs> Genre, j'étais en classe d'italien, et j'ai sorti un mot en japonais, et il m'a regardé, il m'a fait pas du tout, et j'ai fait non mais c'est japonais, je me suis trompée. Je suis désolée, pardon, j'ai ouvert le mauvais tiroir euh, de mon cerveau, pardon. <laughs> ça finissait en haut, je sais pas, je m'étais dit, je sais pas, ça, voilà. Ouais, mais oui, mais ça ne m'étonne pas, c'est comme ça que ça fonctionne. <laughs> salut Panda, salut, salut. Il y a euh, Linjo du... qui nous fait acheter des livres. Oh, Désolée. Mais je crois euh... que le livre magique, il est dans ma wishlist depuis longtemps, ou alors je... il y était et je l'ai retiré. Enfin, il y a un truc. Je crois. Mais vraiment, euh, vraiment trop, trop bien. Je l'ai relu, euh, que ce soit... Alors, attends. Que ce soit du coup euh, Rachel Morgan, mmh. euh, Merci Thompson, mmh. ou Kate Daniels, je les ai relus au moins trois fois la série entière de chaque. Ouais, d'accord. Oui. C'est vraiment... Euh... Je relis pas tout du tout. Genre, souvent je, je lis une série, je supprime tout et je passe au suivant, tu vois. Cela, mmh. cela non. Cela, t'es resté dessus encore et encore. <laughs> ouais, en fait, c'est juste, je pense que c'est une manière de traiter aussi les mythes qui m'intéresse beaucoup, ouais. qui est différente. C'est-à-dire que c'est pas se contenter d'avoir des vampires ou des loups-garous. C'est vraiment aller chercher dans euh, les mythes celtes <laughs> ou les mythes euh, grecs ou les mythes machin et donner des infos et des trucs et apprendre. Enfin, je veux dire, je, je sais pas, mais euh, voilà. On a eu un craquage. Il y a les mots magiques qui a déjà pris oui. le premier tome de Mercy Thompson en ebook tout à l'heure. Je l'ai pas dit, tu sais. <laughs> tu bien raison, tu as bien raison. Oui, mais c'est ça, 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 quand tu revenais d'Irlande, c'est tellement ça. Moi, je rêve en anglais au bout de trois jours en Angleterre. Il me faut deux, trois jours maximum. Mais oui, hein, ça c'est terrible. C'est ton cerveau. Il... Mais ouais. En fait, c'est que t'as une zone, tu passes d'une langue à l'autre et il te faut ouais. un temps d'attention pour passer de l'une à l'autre. Mais une fois que tu l'as passé, c'est. Ouais. <laughs> tout à fait. Et après, tu reviens en France, tu fais ah merde, <laughs> je n'arrive plus à parler aux gens. <laughs> oui, euh, merci Elot. Merci Elot. C'est <laughs> ça. C'est exactement ça. Bon. Du coup. Ah, mais si. Si tu veux. Attends, 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 attends. Il est dans ta ah, liste de lecture la liste Depuis de le 2 janvier. Ouais, depuis le 2 ah. janvier 2022. Si, si, je l'ai mis. mis. Ah, ah c'est bien. <laughs> enfin, moi, je sais c'est bien, mais après, moi, chacun aime ce qu'il veut. Hein. <laughs> Alors, attends. Euh, tentation suivante. Alors, du coup, là, on change de catégorie. C'est-à-dire que... Toujours, tout ça, c'est toujours dans le... Le gotier. Je vais l'introduire. Je vais l'introduire. C'est le livre que j'ai failli acheter. Je pense environ une dizaine de fois en allant voir l'auteur pour d'autres livres. Je elle est vachement cool. J ai, j ai, euh, elle est vachement elle est cool d'ailleurs l'auteur. Elle m'a elle, elle m'a dédicacé mon cinquième bouquin. Elle est adorable. Ouais. Mm. Du coup, euh, du coup en fait, euh, donc là c'est on change de catégorie, c'est-à-dire c'est toujours dans le God Tier list, donc de ce que je conseille vraiment, mais euh, on va glisser vers quelque chose de plus courant dans l'urban fantasy, c'est-à-dire c'est un, un propos un peu plus sexy, c'est-à-dire qu'on va trouver des moments un peu plus chauds, <laughs> tout ça. simplement. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est que donc, Cassandra O'Donnell est une française. Euh, ce n'est même pas, pas son si vrai nom, ils donc c'est son... Hein. Hum? C'est pas grave s'ils si ont pas aimé, ils s'excusent de ne pas avoir aimé, il n'y a pas de souci. Hein. De quoi ou ça Attends, je pas vu. Bah, T'as bon pas trop aimé Ah oui oui Bon oui, ouais. chacun ses goûts. Ah <laughs> ben oui, pas de soucis. Euh, du coup, euh, du coup, en fait, c'est une française et ça vaut le coup de sortir du lot euh, un urban fantasy d'une française parce mmh, que c'est un genre extrêmement américain. C'est un genre extrêmement américain. Pour qu'une française arrive à sortir euh, son aiguille de là, c'est vraiment incroyable. Elle a américanisé son nom exprès. Euh, L'humour dedans n'est pas français mais est américain, je veux dire vraiment tout répond au code de l'urban fantasy. Euh, mais, euh, mais du coup, lu, je l'ai pas lu la série en entier, il m'en manque quelques-uns encore, j'en suis au cinquième justement. Il y en a combien Il y en a peut-être sept je crois. Euh, mais euh, j'ai trouvé vraiment, vraiment ouais, bien, bien faite voilà j'ai trouvé bien faite en fait cette série je tombais dessus euh, sous alors l'urban ur, fantasy c'est mon père qui m'a mis dessus c'est très drôle parce que euh, en ouais. fait euh, il m'a commencé à me filer des bouquins d'urban fantasy j'avais quoi peut-être 17 ans 17 ans hum dans ces eaux là c'est ultra il m'a envoyé il m'a donné les bouquins qu'il lisait aussi et c'est ultra sexy tu vois genre alors oui c'est mon père qui m'a filé ça ok ça mais oui <laughs> Bah, je t'avoue ma mère ma, ma mère m'a donné sa collection de harlequins de quand elle était adolescente quand moi j'étais moi-même adolescente et tous les harlequins sont encore dans ma chambre chez mes parents tu vois tous je lisais exclusivement de la romance entre ouais, 16 et 18 quoi okay. ah ouais ouais non mais ouais mais moi c'est du coup c'était marrant enfin je ressens les séries mais je me rappelle même mon père une fois avoir dit, sur la série dont on parlera plus tard dont tu sais dit oh, « dire putain j'en pouvais plus ouais il ouais, ouais. y avait que il euh, y avait que de ça euh, c'est bon <laughs> mais voilà du cool. coup du coup c'est mon père qui m'a mis à la ben même fantasy et qui euh, me file en fait les bouquins qu'il achetait mm. et on, on est passé sur cette série quand on n'arrivait plus à voir les Rachel Morgan parce qu'ils n'étaient plus traduits donc en fait euh, ça a été son, son dernier coup de cœur là-dessus et j'ai beaucoup aimé aussi euh... j'ai pas fini cette série contrairement aux autres effectivement donc euh, je sais pas comment elle finit pour le coup mais c'est vraiment bien. On suit... De ce on, te dit. on te dit que le 8 sera le dernier, il est attendu. Ok. Mm. Donc euh, on suit l'aventure donc euh, d'une sorcière, Rebecca Keane, qui est française. Euh, ce qui fait qu'en fait on a pas mal de choses en rapport avec la France au niveau des sous-entendus, au niveau des caractères, au niveau mm. de... Fin, elle, elle glisse quand même beaucoup de sa culture par, euh, par touche. Et euh, de manière, euh, de manière euh, humoristique, ou alors euh, des petits pics envers nous-mêmes, mais euh, bon, voilà. Mmh. Elle arrive quand même à glisser un petit peu son côté français dedans. Mais mmh. on est, euh, on est euh, aux États-Unis. Et euh, le monde n'est pas au courant, je crois, de l'existence. Attends, j'ai un doute. Nouvelle non, non, Angleterre, le monde n'est pas, ouais. hmm ouais. et... mmh. ouais. euh, pas au courant de l'existence. Nouvelle-Angleterre, ouais, tout fait Nouvelle-Angleterre, ça. Ouais. Le monde n'est pas au courant de l'existence euh, de tout ça, mais en fait. Euh, il y a qu'on va retrouver quoi on va retrouver des vampires on va retrouver euh, des, des sorcières ouais. le combo habituel en vrai euh, des des, des, des loups-garous tout ça et en fait c'est quelque chose comme je dis d'habituel on va retrouver les codes vraiment euh, plus ou moins banals mais ils sont bien traités c'est marrant c'est bien foutu c'est euh, ça vient de chez nous en plus je veux dire <laughs> Moi, je suis, je suis contente qu'il y ait quand même une française qui s'en sorte au milieu parce que euh, c'est bon. Il y a des démons, effectivement, mais est, il est vraiment, il est vraiment cool. Mais il est plus orienté vraiment côté côté sexy. Ça c'est ça c'est mm -hmm. clair. C'est pour ça que j'ai fait une autre catégorie pour pour cela. Mais <laughs> il est quand même vachement plaisant à lire. Je veux dire, euh, moi j'ai beaucoup aimé le premier, deuxième jusqu'au jusqu quatrième, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et euh, après euh, après, il faudrait que je m'y remette pour pour me faire un avis sur la suite. Mais euh, je, je mais c'est pas mal. C'est que je regarde ce que as écrit. Une Française, hein Cocorico <laughs> J'avais pas <plus rire> <lu. rire> Ouais <rire> Par contre c'est assez dur dans le sens où euh, l'héroïne est un peu... Euh, elle est un peu fermée au niveau émotionnel en fait, genre c'est quelqu'un d'assez euh, dur de pas ouais. forcément... En fait on part pas avec un, un potentiel de sympathie euh, à très haut level euh, dû à cause d'une éducation en fait euh, à la, une éducation extrêmement dure type... Euh, type euh qu'en entraînement mais vraiment vraiment survie en fait ce qui explique mmh. beaucoup de choses dans, dans le truc mais euh... et en fait ce qui est pas mal c'est qu'on suit l'humanisation en fait de... on suit l'humanisation en fait du, du perso petit à petit et donc ça c'est pas mal je trouve pas ça du tout toxique bah après chacun ses avis hein Angie euh, euh... carrément après ça c'est différent je regarde pour répondre à ta question euh, panda s'il a été traduit en fait il a été traduit mais pas en anglais il a été traduit à cosada ça quoi il a été, je pense qu'il a été traduit en Europe, à ma vie, non. L Espagnol ou portugais Je ne sais pas. Je ne sais jamais différencier les deux. J'ai fait de l'espagnol, mais... Hum, je pense qu'il a été en portugais. Voilà. Il a, été, euh, il a été traduit en portugais en 2011, le premier tome, en tout cas. En sept tomes... Ouais. Ah bah j'ai pas du tout ce sentiment. Enfin, moi, j'ai lu les trucs, et c'est pas du tout comme ça que je le vis, mais après, chacun... Euh... Chacun, chacun le vit différemment, tu vois, mais... Euh... Mais euh, c'est pas du tout, du du tout, ce que... enfin le souvenir que j'en ai. En tout cas, <laughs> mais euh, <laughs> mais voilà. Hmm. Toi, en mais tout cas, voilà. on sent que ça t'a choqué, Benjamin. On sent que euh, tu t'en souviens bien, ouais. parce que justement, ça t'a marqué, je pense. Euh, oui, non, mais oui, elle a choisi un nom anglo-saxon pour euh, pour euh, que ça puisse, euh, mais que ça puisse ouais. personne, ne serait-ce qu'en France, parce qu'en fait, on prend pas au sérieux les noms d'auteurs français sur l'urban fantasy en France. Ah, tu les as lues l'an dernier, donc ouais, c'est assez frais pour toi, du coup. D'accord. Ça marche. Moi, okay. j'ai quand, euh, quand même envie de découvrir pour me faire mon propre avis et voir si je suis d'accord avec Benjamin ou pas. <laughs> bah, moi, je pas, C'est pas, euh, pas du ah, tout, je veux quand même voir. C'est pas du tout l'impression que j'en ai eu. Mais euh, je, je vois d'où ça vient, mais après c'est chacun. Cha... Déjà, on a, je pense qu'on a chacun nos expériences, donc quelque chose peut choquer quelqu'un qui choquera pas quelqu'un d'autre ou qui n'aura pas les mêmes. Euh... C'est comme par exemple, disons quelqu'un qui euh, qui a qui a été trompé, euh, qui va lire quelque chose où il y a le, ou qui va y avoir un sous-entendu de ça, il va très très mal le lire en disant que c'est malsain etc. Alors mm. selon les selon les, les vécus, on, on a on a aussi un impact différent par, par rapport aux médias, quel qu'ils soient. Mm. Bah après c'est le mien. <laughs> Panda me fait trop rire, c'est vrai. Que par contre, faites gaffe, je supprime vos bien. messages parce que euh, parce qu'en fait ah, vous êtes en train de spoiler. Les... Ok. Ça ouais, euh, faites attention. On même si quoi. même si vous voulez même si vous voulez débattre, gâchez pas, euh, gâchez pas euh, la surprise pour les gens qui l'ont pas lu ou quoi. Euh, Moi, ce serait, pas ce pas serait lu, dommage. J'ai pas, pas lu le commentaire avant Que tu l'enlèves donc c'est très bien. Merci. Oui, <laughs> je suis modératrice après tout Mais oui, c'est vrai que t'as l'épée. <laughs> J'avais même oublié, tu vois. <laughs> Il n'y a pas toutes les Jacqueline, carrément. <laughs> carrément. Donc okay. voilà, ça c'était euh, Rebecca Keen. Ensuite, on passe sur... Ah, oui. euh, mmh. Toujours dans la même section, c'est-à-dire... Euh, un peu plus sexy <laughs> On passe à, à Diana Rowland et La Mare du Démon. J'ai beaucoup aimé. J'en ai lu plein plein d'autres hein, de, de livres. Euh, la Mare du Démon euh, m'a beaucoup plu. Parce que euh, c'est un mélange entre... Bon, c'est de bon, l'urban fantasy. Mais c'est aussi, aussi de l'enquête. Mmh. Parce que c'est une policière. Euh, L'héroïne est une policière. Donc, euh, donc euh, elle est enquêtrice. Et en fait, euh, elle... elle en, elle va enquêter sur, sur des meurtres et donc euh, en gros chaque euh, ça, livre bien, ça. va être consacré à une enquête principale, un meurtre principal ouais. en fait. Et il y a tout le monde mystique en fait qui va se mettre autour. Donc évidemment ça va être mêlé, etc. Mais, mais j'aime bien ce côté-là aussi. Euh, j'aime bien, bien ce côté-là. Euh, par contre euh, du coup c'est assez différent, c'est-à-dire que c'est pas, il va y avoir, euh, il va y avoir euh, vampires, il va y avoir machin. Non, tout ça il y a pas, ça va être euh, en gros des démons et des invocateurs et euh, de la magie ou crois Mais ça va être beaucoup moins axé euh, créatures habituelles en tout cas. Et ça va être, il va y avoir le moustique. Oh <laughs> euh... Et ils ont pas fini de traduire la saga non plus, je crois. Euh, J'ai lu, euh, alors elle a pas fini d'être traduite en tout cas, parce que moi je l'ai fini en anglais. Ouais, c'est ça. Mais... J'ai 6 tomes en français chez Milady, 6 mm. tome sorti en 2015, et après 7 et 8, je les vois en anglais, ouais, ouais. chez Do books mm. Donc, j'ai beaucoup aimé personnellement. Euh, c'est plus, euh, plus orienté, en fait, euh, classique de l'urban fantasy, c'est-à-dire qu'on euh, va avoir le classique, euh, une femme qui va rencontrer... Euh, Quelqu'un de pas sympa. <laughs> mais, mais comme il est quand même sexy, pourquoi pas <laughs> et, et puis peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui sera cool, qui sera plus gentil. Enfin, ça, va être, ça va être plus proche des classiques, donc des codes hein, finalement. Mais mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup le côté enquête. Euh, il est bien fait. Parce que euh, ce qui est important de noter, c'est que Diana Rowland a travaillé, euh, a travaillé avec des enquêteurs, avec la police, avec, euh, ah, avec des bon. gens etc., de, qui, du métier pour pouvoir faire en fait ce, ces bouquins, et euh, bah, ça, ça se voit, c'est bien foutu ce côté-là. Ouais ça c'est chouette. Ce côté-là est, est, est bien foutu. Ce que j'aime bien, en tout cas euh, dans l'édition euh, que j'avais, donc c'était l'édition Midi il y avait donc à forcément à chaque fois les remerciements, et du coup, à chaque fois, c'est le chef de tel truc, de tel machin, etc., de tel endroit, enfin, qui a pu aider pour, pour les renseignements. Enfin bref, du coup, euh, coup j'aime bien. Mmh. Euh, euh, même si dans, dans tous, en fait, il y a toujours un mystère à résoudre, parce que forcément, il y a euh, la situation initiale, puis patatras, il se passe quelque chose, donc il va falloir mmh. enquêter là-dessus. Là, là c'est vraiment assumé, vu que c'est une policière et qu'il y a des meurtres à résoudre. Donc, euh, donc voilà. Ouais. D'accord. Donc ça c'est mmh. car cariglian. et euh, c'est très différent parce que tu retrouves pas le vampire, loup-garou, euh... mmh. on s'aime pas. Mais, <rire> mmh. <rire> <habituel>. mais voilà. <laughs> je comprends, je comprends. Euh, que, oui, oui, ça a l'air différent, ça a l'air différent. Ouais. Surtout avec les invocations et tout ça. Oui, 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 oui. Moi j'aime, bien, j'aime, j'aime bien, euh, j'aime beaucoup histoire avec les histoires avec des démons. Je... C'est vrai que c'est un truc mmh. que j'aime beaucoup. Parce Mais que avoir aussi. un petit un petit peu ouais. de religion au milieu pour voir ce que ça fait par rapport ouais. au mythe et tout, je trouve ça. Ouais. Puis t'en en as moins, je trouve. On en voit moins que euh, bah, je sais pas, vampire, loup garou euh, de base, mm. <laughs> tu vois. Ma ouais ouais. ouais. Euh, maintenant, pour me faire lire un truc d'Urban fantasy, euh, il faut me sortir de ça. J'ai mm. dû, je, je n'arrive pas en tout cas. Euh, J'ai fait une overdose. J'arrive pas à me relancer dans tout ce qui est vampire. Ouais. Peut-être qu'il y en aura quand même des biens. Hein. Mais il faut que ce soit différent parce que je me dis, bon, je vais pas lire 15 fois la même chose. Enfin euh, ouais, voilà, ça, donc euh, ouais. ça me tente ouais. quand les mythes sont différents et quand on me prend la peine de, de, de sortir les, les doigts, quoi. <rire> <rire> Merci pour cette expression, très intéressante. <rire> pardon, pardon <rire> Mais non. <laughs> le suivant, je l'ai. Le euh... suivant euh... Oui, j'ai vu que tu l'avais. Ouais, mais tu sais quoi En fait, je l'ai même pas acheté. Regarde ce que j'ai retrouvé dedans. Félicitations, bonne lecture, il y a marqué l'équipe j'ai lu. En fait, je l'ai gagné à un concours avant même de recevoir des SP et tout ça des services presse et tout. Je l'ai <laughs> gagné à un concours et j'ai gagné les trois premiers tomes, genre j'ai les trois tomes dans ma pile à lire. Trop bien, mais en vrai, ils sont très très bien. Il y en a pas il y a un plus que trois. mais euh Oui, ouais, mais mmh... j'avais les, les trois, trois est vachement premiers bien. quand même, tu vois. Ouais. Je trouve ça dingue. Du, du coup, euh, du coup, effectivement, on va passer à, à Chasseuse de vampires. Euh, donc Attends, attends, oui. <laughs> on parle on parle de vampires en, en, en premier en maintenant euh, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent mm. euh, mais ce sont pas du tout les protagonistes principaux en fait c'est à dire que euh, pareil on va sortir on va vraiment sortir de, de, du truc habituel euh, on va être donc à Los angeles pourquoi on à Los Angeles Parce que <laughs> il va y avoir des anges dans le monde dans lequel on est, et Los Angeles c'est la cité des anges, donc du coup c'est le meilleur endroit pour mmh. pour settle, pour, pour setup tout ça. Mmh. Euh, donc tout le monde est au courant de, du, du monde mystique. Euh, les anges sont sur Terre, en fait, sont des créatures mythiques comme d'autres, et en fait dirigent une sorte de société et sont en fait euh, des créateurs et euh, des dirigeants de la société vampirique. C'est-à-dire que les vampires n'existent Merci bien, Mika pour le raid! Coucou à tout le monde! Aujourd'hui, on est avec Lynn Coré, et on parle d'Hero Fantasy! Et là, vous arrivez sur celui où, le seul, je crois, où il y a vampire dans le titre. C'est vrai! A... C'est vrai, c'est le seul où il y, y a vampire dans le titre, ouais. Merci beaucoup! Bienvenue! On leur fait coucou, les petits gars! <laughs> on leur ça. fait coucou! <laughs> Tadam! Première! Oh, je qui à Victor, j'avoue. <laughs> <laughs> salut, salut salut Bienvenue tout à... le monde Sur quoi était, était ton live J'ai pas eu le temps de voir, du coup on l'a lancé en même temps je crois. Je crois, je crois. Qu'est-ce que vous avez fait Dis-moi. C'est la saga ah. préférée de ma meilleure amie. Et ben voilà Ouais, elle est, elle est pas mal aimée cette saga, ouais Ouais, il faut que j'arrête de, re de regarder comme ça, parce que je vais finir par me spoiler un jour en allant trop Tu loin. vas grave te <laughs> spoiler, regarde pas plus loin <laughs> okay. Il y a vraiment du spoil possible <laughs> plus loin, en plus là, c'est... Euh... Non, regarde pas plus loin <rire> <Okay>. <rire> Comment allez-vous Comment c'était sur le, sur le live de Biomica du coup Qu'est-ce que vous avez <laughs> fait C'était lecture aujourd'hui Ouais, update lecture, ok, mercredi soir, bah oui je me crois pas mercredi soir parce que d'habitude le mercredi, tu sais, je live à 18h30, du coup je suis à l'ouest. Je me crois pas. Oh à mardi. pardon, je, je t'ai bousculé non, ton programme. Non, c'est moi qui t'ai dit. Non, c'est moi qui te l'ai dit. Je te rappelle, ah. c'est ah. moi qui t'ai dit l'heure. Oui, c'est vrai. Bon, ouais, ça va. <laughs> non, non, t'inquiète. Pardon quand même. <rire> <rire> Et euh, Marie-Laure, elle disait c'est euh, Los Angeles ou New York Non, non, c'est pas New York, c'est Los Angeles. Enfin, si je me souviens bien. Je peux aller vérifier, mais en fait, justement, il y avait le. Y avait le... Zut, comment on dit en français Enfin, il y avait le jeu de mots sur le fait qu'on était à la Cité des Anges, il me semble. Ok, peut-être que c'est euh... la première page. <laughs> non. Mais vous, vous pouvez vérifier. Hein. Je veux dire, il y a moyen que je me sois trompée parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai pas lu, mais il me semblait que c'était ça. J'ai peur d'aller trop loin. <laughs> non mais c'est pas grave ils vont, ils vont aller vérifier te, te spoil pas donc du coup je vous, je vous reparle de, de la série euh, je vous reparle de la série donc euh, les, anges, euh, les anges créent en fait les vampires on parle de New York ah bah peut-être que je me trompe hein. mais j'étais persuadée que c'était à Los Angeles bah, me dans semblait. mon résumé on parle on parle pas de New York ou de, <laughs> de Los Angeles donc c'est compliqué ça se trouve à ah, Seattle, hein, on ne sait pas. L'occasion c'est au en fin fond de la France, <laughs> on ne sait pas. On parle de New non, York, York ok. New bah, York. bah écoute, ah, ouais, c'est bon possible, c'est possible. Ah oui oui oui, voilà, euh, c'est New York. Ok, okay. okay, okay autant Merci. pour moi. Euh, je m'en suis mal rappelé parce que bah, ça, ça fait quand même un petit moment. Mais, Mais... c'est une, une ville, tu peux pas te souvenir de toutes les villes, de tous les romans. <laughs> c'est bon. Mais après aussi en ce moment, je regarde, je regarde, j'ai fini. Euh, comment s'appelle? La série euh, Lucifer ou Stallos Angeles oui, parce que ça c'est des oui, anges, oui, oui. il y a moins que tout se confonde aussi. Oui. Parfait. Donc euh, les, les, les vampires sont créés, euh, sont créés par les anges. Euh, c'est quelque chose que, euh, euh, qu en fait, il faut remplir des dossiers, etc. Euh, tout, ils sont choisis, ils sont choisis euh, sur sur le pouce en gros et euh, et en fait, on ne devient pas vampire comme ça. Euh, C'est euh, tout est contrôlé par les anges qui sont vraiment vraiment les, les patrons top tiers de, du monde de partout et qui sont des, euh, qui sont rendus par zone les archanges etc. Euh, mmh. L'héroïne qu'on suit euh, va euh, du coup elle euh, être une chasseuse de primes. Euh, qui va en fait s'occuper des, euh, des vampires qui, qui deviennent rogues, en gros, qui, qui pètent un câble, qui répondent plus. En fait, ils ont, ils ont un contrat d'asservissement, genre s'ils veulent devenir vampires, ok, mais pendant tant d'années, ils vont servir euh, le machin, etc. Et donc, il y en a qui deviennent fous, ou alors euh, qui, qui essaient de fuir, etc. Et voilà. Donc, ça, ça part comme ça, et en fait, euh, ça va vraiment se mêler entre ange, euh, mortel et vampire, mais pas dans le sens. Euh, pas dans le sens habituel, et c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Il, il est euh... Elle est très, très bien cette série. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. J'ai vraiment et beaucoup y apprécié. En a combien, tu sais ou pas Je suis en train de regarder combien il y a de livres dans cette saga. Je crois qu'il y en a. Euh, il y en a pas beaucoup. Il y en a quatre ou cinq, pas, pas plus, je crois. Ah si, alors... attends, attends, je suis à plus de huit, là. Attends. À treize euh, en 3, anglais 4, Bon, mais 3, je ne peut-être pas fini, 7. mais en tout cas, j'ai fini ceux qui sont sortis en France 8, 9, 10, 11. 12 en français, bon bah ça fait longtemps français. que j'ai pas... pas lu donc peut-être qu'entre temps effectivement il y a eu de l'update, ouais, mais ans... euh, ouais, d'accord. Ok, je l'ai pas lu depuis, genre, euh, je l'ai pas lu depuis, je crois, quatre ans. C'est quatre ans que j'ai lu, il me semble, quatre 5 ans que je l'ai pas lu, relu. Salut Emma Opaline, et salut, salut. Hey, coucou, <rire> mais <rire> vraiment, elle est cool dans tous les tu cas. Euh, euh, dans tous <laughs> les cas, tout ce que j'ai lu, c'était vraiment bien. C'est vraiment bien. Hmm. Mais écoute, j'ai les trois premiers tomes de toute évidence donc. <laughs> et j'ai oublié, oublié de faire un petit point euh, au niveau de si ça te dérange pas de revenir vite fait sur Kate Daniels parce que je viens de me rappeler un détail assez important. Mmh, C'est laquelle Non. Il y en a Rose Non. Mais attends, attends celle-là. Voilà. <laughs> Donc en fait, ce que j'ai oublié de dire là-dessus, euh, je suis vraiment désolée hein, qu'on y revienne. Euh, mmh. Parce que je vous disais qu'elle était différente et qu'elle était vraiment bien, qu'il fallait aller les yeux fermés. Il y a effectivement des vampires là-dedans. Mais euh, c'est pas du tout les beaux gosses, euh, twilightiens, euh, machin, etc. Sont vraiment des créatures horrifiques euh, qui euh, n'ont pas de volonté propre et en fait donc qui sont morts en fait avec la bave qui coule, etc. Machin et en fait qui sont dirigés par des, par des gens qui les pilotent. Et, euh, et, et voilà donc en fait c'est vraiment ils prennent le mythe du vampire ils ils en font une boulette de papier qu'ils jettent dans la poubelle ouais. tu vois donc euh, ouais. c'est euh, ça me fait penser à ça quand j'ai parlé des vampires qui est différent euh, là dedans on, ils vont vraiment vraiment marcher sur les codes habituels de, de vampires, etc hmm. c'est des sortes de montures tout à fait ouais d'accord et oui ils sont très prolifiques les ouais, les ils en sortent un parent en général minimum tu as fait raison <laughs> C'était okay. diffi difficile de tenir le, le truc. Donc mmh. voilà, ça c'était euh, du coup, euh, pour parler donc euh, des chasseurs de vampires, c'était le côté euh, un peu plus sexy. Mmh. Euh, J'ai fait une section où l'humour était prioritaire. C'est celui d'ailleurs. Alors voilà, quand on parle d'humour et d'urban fantasy et de top tiers à avoir, moi je pense immédiatement... Charlie Davinson. Charlie Davinson qui est INCROYABLE <laughs> C'est... Alors il faut aimer, il faut aimer... Euh... Moi c'est un humour qui me touche beaucoup. Il faut aimer l'humour euh... absurde. Mm. J'aime beaucoup l'humour absurde. C'est vraiment... C'est absurde. <laughs> tu peux pas... Elle est complètement starbée. Elle L'héroïne est complètement starbée. La, la, le titre du tome 1, c'est Premières tombes sur la droite. C'est déjà euh, assez intéressant. Et la première phrase derrière, c'est Vous savez ces mauvaises choses qui arrivent aux gens bien C'est moi <rire> okay, <rire> <très> bien. <laughs> Il est vraiment, vraiment cool. Et il est très différent. Euh, il est très mmh. différent parce qu'en en fait, on suit euh, une faucheuse. Mmh. Donc euh, l'héroïne est... et la faucheuse en fait. C'est genre euh, les gens. Euh... Ben, les gens passent à travers elle euh, pour, pour aller dans l'autre monde, c'est la faucheuse, du coup euh, c'est assez fun, depuis, depuis qu'elle est très jeune elle voit tout ça, donc en fait euh, en genre coping mécanisme, je sais pas comment dire en, en français, en gros elle a, elle a vraiment son mécanisme de défense et l'humour, et elle a un humour complètement, euh, complètement, mais, mais random, et genre elle nomme tout ce qui passe, genre... Euh, euh, ouais. elle, a, elle a des noms. Elle a un nom pour son sein droit, un nom pour son sein gauche, un nom pour sa voiture, <laughs> un nom pour sa cafetière. Euh, je veux dire, tu sais, elle va pas dormir gauchy. pendant. Je sais mais pas combien de temps. <laughs> Avec son nom de ventilateur et son nom de tout ce que tu veux. Il donne des noms à toutes mes plantes. Euh, si, si. <laughs> et tu devrais voir. Un... Regarde, mon pitch a dit qu'on devait s'y. Ah oui tête. oui. Tu, tu parles plus que moi, donc en lien. Désolée, si je voilà. parle beaucoup. Hein. Ah non, c'est pas du tout pour ça. Hein. C'est juste que tu présentes, tu présentes clairement. C'est pas, pas, du tout un reproche. T'es invité pour ça. Donc, <laughs> je ne connais pas. Mais, euh, mais du coup, ouais, ils, ils partent vraiment. Ils sortent, des, ils sortent de tout ce qui est celte, euh, Ils sortent de tout ça en fait. C'est vraiment on mmh. part, on part du principe sur, euh, sur euh, plus religieux du coup parce que c'est faucheuse, paradis, ouais. enfer, démons. Enfin vraiment, on est là dedans. Et euh, il, est, il est vachement cool. Euh, comme elle est plus ou moins. Enfin, elle, euh, elle peut subir plus de dégâts que les humains normaux. Elle, par exemple, pendant plusieurs semaines, elle va pas dormir. Et du coup, en fait, elle va encore plus péter un câble. Elle va faire n'importe mmh. quoi. Je veux dire, son humour. Il va, vraiment, on est dans son esprit et c'est bien foutu. Il va y avoir un côté euh, beaucoup plus sexy. Enfin, mmh. je veux dire, aussi sexy que les autres. Je veux dire, c'est pas plus encore. On monte pas dans, dans, dans la gradation. Mais, euh, mais c'est surtout qu'en fait. Euh, il fait juste du bien dans le sens où il est, tu, tu rigoles vraiment de bon cœur en le lisant, mais tout ouais. le long. Et, euh, et du coup, ça, je conseille aux gens qui rire. ont envie de rigoler. Hein Tu peux exploser de rire en le lisant, quoi, finalement. Complètement, complètement. Mmh. J'ai beaucoup rigolé quand je l'ai lu. Et donc, du coup, c'est si on est un peu déprimé ou quoi, ou qu'on a envie de rigoler. Mmh. Enfin, franchement, euh... Pff, il est trop drôle. <laughs> il, est, il, est, il est très, très drôle. J'ai pas lu tous les tomes, celui-là non plus. Euh, je m'en suis arrêtée au tome 5 pour l'instant. Parce qu'en fait, j'ai une grosse, grosse pause hein, dans, dans toutes mes lectures. Je, moi, j'ai des grosses périodes où je lis, puis après je fais autre chose, puis après je relis, etc. Et j'ai repris la lecture il n'y a pas longtemps grâce à toi. Et donc, du coup, il faut que je rattrape tous les trucs comme ça. Il <laughs> euh, faut que je rattrape tous les trucs comme ça que j'avais mis en pause. À ah, des grosses punchlines. Gros. Bien, Il y en a. <laughs> On est à 13. Ouais, oui, oui, il y en mmh. a à 13. Et alors, par contre, un truc que je voudrais bien que tu fasses, c'est que tu ouvres ton livre, si tu l'as. Mmh et ouais. tu regardes chaque début de chapitre. Ok. Littéralement, le début de chaque chapitre, genre au moment où ça commence ce chapitre, tu vas avoir une citation. Tu as ouais. l'humour du, du jeu. C'est elle, finalement, c'est ça Alors, Oui, On va voir les morts qu'être mortes. Voilà, et en fait, chaque début de chapitre commence par une de ces punchlines. Ouais, d'accord. Et c'est en rapport avec le chapitre ou pas bah, C'est en rapport avec de le de chapitre. Façon, tout, pas ouais. forcément. Non, hmm. non, pas forcément. C'est juste, ça commence par une punchline. Et c'est vraiment, oh genre, tu peux, tu peux lire tous les <laughs> débuts de chapitre pour rigoler. Et la punchline du chapitre 2. C'est ce qu'on dit, tu sais, à chaque fois, genre, euh, trop de livres et si peu de temps. Et elle, c'est tant de morts et si peu de temps. <rire> oui! <laughs> c'est vraiment vrai. <laughs> mais, mais vraiment, ouais, vraiment dans l'humour, c'est de l'humour profond. Et euh, par exemple, il y a, y, a y a un mec chinois dans son appartement qui est mort. Et qui lui tourne le dos depuis genre 6 ans, et en fait euh, <laughs> il lui répond pas, donc elle l'appelle Monsieur Wong, il me ouais, semble, et genre elle l'utilise comme pense. porte manteau, euh, je veux dire voilà, sur sa porte de toilette et de salle de bain, il y a marqué euh, euh, parce qu'en fait du coup les morts la suivent partout, donc même partout où elle va et genre euh, elle prend sa douche et il y a une tête de mort qui apparaît en disant oui bonjour vous êtes la faucheuse il faut que je, pour que j'aille euh, il faut que je passe à travers vous et du coup elle est là non mais tu vois pas que je suis en train de me laver enfin c'est vraiment une situation euh, c'est des situations complètement. Elle fait Regarde ce qu'il a marqué sur la porte Il y a marqué quoi sur la porte Si je me lave, j'en ai rien à faire des morts enfin, Des trucs comme ça ouais. c est, c est, c est, Vraiment, c'est très très drôle. donc mais ai euh, euh, la, euh... juste pour, Je m'arrête au chapitre 4, mais euh, c'est typiquement le truc qui me fait marrer. J'aime les enfants, mais je ne crois pas pouvoir en manger un entier. Autant pour <laughs> voiture. Oui, 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 et c'est tout comme ça. Et tu vois, c'est une bonne manière de voir si l'humour te plaît, c'est tu regardes les débuts de chapitre tu peux regarder sans te, sans te spoiler quoi que ce soit. Mais c'est très drôle. Et même, mmh. Elle finit même par avoir des punchlines d'elle-même, tu vois, où euh, genre elle donne une bonne punchline, <laughs> puis elle a marqué en dessous, il y a marqué la faucheuse moi. <rire> <rire> donc ben euh, donc ouais, celui-là, celui-là, si vous avez envie de rigoler, je, je conseille. Ouais, euh, puis ça entièrement euh, bon. terminé, traduite en français. Ça c'est intéressant aussi de, de savoir que tu vas avoir la fin. Ouais, bien sûr, ouais. Donc euh, donc voilà. Et ses premières tombes sur la droite, euh, deuxième tombe sur le sur machin, cinquième, je, 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 voilà, à chaque ouais, fois c'est en rapport avec ça. Troisième tombe sur la gauche, troisième tombe tout droit, quatrième tombe au fond. Et le, trois, le treizième c'était treize tombes de malheur. T'as treize, hein? Douze tombes sous, sans un os. Ouais, c'est drôle. <rire> <rire> Pas mal. Ouais, celui-là il m'intéresse bien. Je pense que ça sera peut-être mon premier euh, de toutes le. Pour il est très différent, mais c'est vraiment, vraiment l'humour, vra... pour le coup il est tourné entier. En fait c'est un mélange de sexy et d'humour, voilà. c'est vraiment pour le définir, <laughs> c'est super drôle. C'est pas, pas rebutant du tout par contre, c'est vraiment juste, elle est complètement barrée. NG qui nous parle de Ivy wild pour l'humour aussi. Mais je crois que je euh, pas, Ivy Wilde, c'est l'auteur la, Ivy wild il me semble, non Non, c'est euh, vraiment Ivy Wild tome 1, quand on fait Néantise... Rime avec magie. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure. Je ne l'ai pas lu celui-là. Euh, pour l'humour, j'allais vous parler d'autre chose. Hum Il faudrait que je me regarde parce que je me renseignerais. Parce que moi, du coup, j'ai envie de compléter mes collections. Parce que je, je lis l'urban fantasy je depuis, euh, depuis 12 ans. C'est 12 ans que je lis l'urban fantasy. Un peu plus, même, je crois. Et, euh, et du coup, en fait, euh, les nouvelles séries, je les ai un peu ratées. Donc, j'aimerais bien, euh, bien voir un peu ce qu'il y a de nouveau. Donc, je là, là, je me suis une Discord. petite sélection. Hmm je te l'ai mis sur Discord au cas où. Merci! <laughs> mais du coup, quand on parle aussi de. Là, je te l'ai pas mis dans les trucs principaux parce que c'est pas ce que je recommande. Mais par exemple, quand on parle d'humour, je pense à Queen Betsy. Euh, c'est. Ouais. Euh, si tu regardes la, la couverture, tu vas tout comprendre que c'est humoristique. Et donc, le premier, c'est vampire et célibataire. En gros, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de super. Euh, c'est. Euh, qui a aucune profondeur. Il pense qu'au shopping, qu'au machin et tout, qui est imbuvable. Et qui en fait devient ouais. un vampire par le malheur des choses et, euh, ouais, et devient cool. du coup une vampire imbuvable qui fait que des conneries etc mais qui est très drôle donc en fait, lui aussi il est aussi porté sur l'humour mais je le trouve mmh. moins bien foutu et en fait ça peut être drôle au début les premiers ouais. deux premiers trois, trois premiers et après c'est vachement répétitif les couvertures sont radicalement différentes de ce qu'on a vu depuis le début oui très très différentes. radicalement différent après, très très différentes. C'est vrai que c'est pas un truc vers lequel je serais allée euh, rien que pour la couverture. C'est horrible de dire ça, mais euh... oui, euh, moi non plus, je l'ai lu que parce que mon père l'avait pris. Ouais ouais. Je mon père l'avait pris et donc j'ai lu. C'est chez Milady, euh, pareil que j'avais découvert. Mais en fait, rien qu'en voyant la couverture, on sait qu'on va se pencher vers euh, oh, le. Sous la couverture vite fait, ça va arriver en grand, mais tant pis. Hop, oh, voilà. ta Moi je trouve que c'est radicalement différent. Enfin quand tu regardes. Ah c'est euh... complètement différent. C'est complètement différent, ouais. ouais. Mais c'est parce préfère. que la ouais, manière moi, de traiter je... le sujet est différente aussi. Mmh. Ok. Mais c'est pas, non... pas mon style non plus. Franchement, euh, tu me mets ça, je. Mmh. J'irai pas vers ça naturellement, quoi. Ouais. Et puis, même, euh, même euh, je veux dire, au bout de, de quatre bouquins, franchement, t'as fait le tour. Euh... Mais, mais ouais. c'est vrai que c'est drôle. C'est vrai que c'est très drôle, par contre. Mmh. Voilà. Ok. Donc, euh, au niveau de, de l'humour, euh, voilà. C'est ce que j'avais à, à dire. Euh, moi, mon celui que je recommande, c'est Sharia Vincent. Mais, mais voilà, il faut, il faut aimer l'humour absurde, par contre. Je sais que ce n'est pas, pas le cas de tout le monde. Moi, j'aime bien, donc c'est mieux. Moi, moi j'aime beaucoup. <laughs> je, je suis qu'un je suis cas d'absurde, donc ça, ça me temps, plaît euh, beaucoup. Euh, oui, en même temps, avec Kofi, j'ai pas le choix, il faut aimer. Hein, <laughs> <voir ça. rire> coucou Little Coucou Little Et oui, ça fait partie de la lecture. Donc ça... <laughs> Forcément. Vas-y, petit paiement. T'inquiète. <laughs> T'inquiète, c'est le soir pour tout le monde. Ouais. On est ouais. réprimé un juste avant. <laughs> du coup, euh, n'hésitez ap... pas, attends, je fais juste un petit n'hésitez pas petit 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 sur Twitch et qui parle aussi bouquins. Donc euh, n'hésitez pas à aller la voir. C'est très chouette qu'on soit de plus en plus par ici à parler lecture. C'est trop bien ça Ouais. Tada C'est bon. Hein <laughs> <laughs> Mais ouais, c'est trop bien la lecture. En vrai, je suis trop contente de passer une soirée à parler de à parler de livres. Ça me fait Mais trop oui, plaisir. Mais que chez toi, on parle beaucoup euh, on parle beaucoup de jeux vidéo forcément. On, on, en fait, fait non, champ. on parle beaucoup de, on parle beaucoup de bouffe, pas mentir. On euh... Aussi. Hein quand tu fais des puzzles, quand tu fais des choses comme ça, c'est cool aussi. J'étais tombée ouais, sur ouais, ouais. comme Mais ça je, aussi. Je, je parle de tout en vrai. Euh... Oh non, il y a Elno. La... Salut Elno <laughs> Coucou Elno <laughs> Ça va Une façon particulière de dire bonjour <laughs> C'est Bepipin <mes> <laughs> Mais je sais, bien sûr La bah, première fois, je hein. ne pas reconnu Je les ai <laughs> Comment ça Oh non, oh, ça va, c'était pour rigoler, elle tu le sais. Tu le sais. C'est faux. N'importe non, non, quoi <cas> <laughs> Quel que soit le sujet initial du live, j'ai l'impression que ça finit toujours par parler nourriture. Chez euh, Linco, ouais. Chez Linco, <laughs> ouais toujours. Ouais, toujours. C'est vrai. Mais après, j'ai fait les coatolières, hein. il faut savoir que la passion de la bouffe, euh, mmh. euh, voilà, c'est. Euh, mmh. C'est ancré, quoi <rire> <rire> L'éluco dit toujours la vérité, je sais pas. Euh, je... je sais pas. Oh, je suis... Je suis... Oui, je suis pas quelqu'un qui ment, en tout cas. Mais j'imagine que personne oui. va dire qu'on est des ment Que je... je pense pas que quelqu'un va dire. Je... Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui Moi ment. Moi, je suis vraiment un gros mytho. Moi, je suis vraiment un gros mytho. T'imagines <laughs> Oh mon dieu. C'est bon, ça va. C'est rien. Finalement, ce qui voudrait dire qu'en plus, il est en train de mentir. Donc, ce qui irait finalement bien. Parce que ça veut dire que s'il dit que c'est un gros mytho, et eh ben en disant, ben, il ment parce qu'il dit la vérité. Ouais, bon du coup. Livre euh... suivant. Du coup, les suivants c'était, euh, je passais du coup sur les, je... on sortait de la tier liste en gros que moi je... des trucs ouais. que j'apprécie particulièrement. Ouais. Euh, après, il y a plein d'autres bouquins que je recommanderais. J'ai, mais euh... je suis allée en fait voir pour me rappeler bien sûr. J'ai mes photos de mes bouquins et je suis allée aussi euh, sur euh... Booknode, sur Urban Fantasy. Mmh. Pour voir en fait si j'y arrivais et que j'ai pas oublié. Et euh, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de tous ceux qu'il y a là-dedans. Il y en a d'autres que j'ai pas lu Donc en fait, tout simplement... Hein incroyable, t'as vraiment fait tes devoirs. <laughs> C'est incroyable. Elle a plus préparé le live que moi, tu sais. Bah attends, tu m'as <laughs> fait confiance et du coup, bah... Il y son petit PDF et tout. <laughs> Il faut pas oublier que j'ai euh, fait beaucoup de beaucoup de temps d'académie hein, donc euh, ça, ça reste je pense tout simplement mmh. bien sûr, ça, sûr. Euh... Attends, mais le dimanche le, le débrief de Disney je leur fais des PowerPoints, powerpoint comme quand j'ai passé ma thèse et mon mémoire c'est trop bien j'ai passé la même chose j'ai repris le même modèle mais ouais non, mais ouais c'est trop bien j'aime bien les trucs comme ça mais du coup, du coup voilà, n'hésitez pas à aller voir du côté de, de Booknode pour avoir d'autres. Euh... Moi, j'ai pris cette liste-là pour vérifier, en fait, de ne pas oublier les trucs. Je suis d'accord avec toi, mon pitch. Elle présente tellement bien les bouquins. Un plaisir à écouter. Ah, merci, <laughs> c'est gentil. Et merci, Little Pearl, pour le box. Merci oui. beaucoup. Et euh, donc, du coup, oui, après, on te est passé à. Euh, en dehors. Enfin, dans ce que moi, je savais préparer, on est passé en dehors de. Euh... Ce que je recommande absolument. Et on est passé au ce que j'appelle les classiques. Il mmh. euh, y a des auteurs sur lesquels on peut pas passer lu, à côté ouais. quand on parle quand on parle d'urban fantasy. Le premier auteur en général dans lequel on va entendre parler, euh, ça va être Laurel K Hamilton, ça arrive. Euh, ça arrive. avec deux séries en particulier. La première on série, ça va être Anita Blake qui a commencé en 1993. Là, vous avez le péché céréulien qui est le tome 11. Le 11, celui-ci, Donc, ouais. euh, je pense qu'elle en sortait un par, un, un par an, à mon avis. En tout ouais, cas, c'était le ça. rythme en général des urban fantasy. Mmh. Donc, euh, c'était ah, en 2010. C'est ça, ça J'ai vraiment lu tout ça <laughs> Oui. Ça, si tu peux trouver peut-être peut le premier... Euh... <laughs> si ça ne dérange euh... pas, je, je te l'ai envoyé, je crois. Puis dire quoi ouais, Mais je ne sais pas ouais, si tu l'as ouais. pris. Si, si. Si, si. Tadam Alors, oui, il donc il ça, c'est le, le premier. désolé Hein <laughs> Il est mal cadré, mais c'est pas grave. Tant pis. Mais non, c'est très bien. <laughs> euh, on en est à 28. Oh, non, mais, je... mais, mais c'est ça. On... Elle a continué, mais je me demande si elle a. Je sais pas ce que c'est devenu, si je vais pas vous mentir. J'espère qu'à un moment, pas... elle s'est. Re... Enfin, bref, on va en parler. Donc. Laurel K. Hilton est une très bonne autrice. Euh, ouais. Elle se renseigne très, très, très bien. Vraiment. Euh, vraiment, il y a un bon background, c'est super intéressant, c'est super bien écrit. Il va y avoir un problème dont on va parler, euh, qui fait que moi, personnellement, j'arrêtais de les lire, mais euh, quand on parle de plaisir coupable, c'est un super bon livre d'Urban ouais, Fantasy. C'est un très très bon livre, et c'est un précurseur, vu qu'il est sorti en <laughs> 1993. Euh, Laurel Camilton est un, vraiment un monument de l'Urban Fantasy. Et le No se moque de toi. Pourquoi Plaisir coupable, c'est le pour les mots du Du coup, en fait, il faut savoir que chacun des tomes, euh, alors on pourrait penser Plaisir coupable, c'est le rapport avec le livre, pas du tout. C'est mmh. pas le sujet du livre. C'est qu'en fait, chaque tome va avoir le nom d'un établissement, en fait, dans lequel va se passer une enquête ou il va se, ou alors qu'il va, va, se passer quelque chose, en fait. Et donc, en fait, ça, c'est le nom d'un établissement dans lequel va se passer en fait des choses qui vont, qui vont être dans le livre, tout simplement. Donc, euh, il faut pas prendre. Euh... Je trouve que c'est très mal foutu. Enfin, je, veux dire, euh... ouais, 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 ouais. je trouve ça très bien de donner le nom du, de l'établissement. Je trouve que la couverture, du coup, euh... ah, oui, fait, oui, une... fait une mauvaise information. Tu vois, genre tu, tu te dis, mm. ah c'est vraiment plaisir coupable. Non, 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 <laughs> c'est l'établissement. <laughs> pas tout de suite. <laughs> <Je sais. rire> ah, <c 'est> bon. <laughs> Euh, donc voilà, donc c'est très très bien et on part sur quelque chose donc avec euh, évidemment le trio de... Euh, il va y avoir des vampires, il va y avoir des euh, des loups-garous, il va y avoir une héroïne, mais rappelons-le c'est 93, c'est-à-dire que c'est au moment où il y avait Buffy. Donc ouais. ça veut dire que vraiment euh, c'est pas du tout quelque chose qu'on voit tout le temps... Euh, qui est surfait, qui est refait, qui est du réchauffé. Non, non, c'est vraiment une grosse base. C'est-à-dire que mmh. c'est beaucoup parti de là. Elle a écrit beaucoup de codes euh, de l'urban fantasy. Ouais. Et c'est très, très bien. Donc, on est avec une, euh, une nécromancienne qui est complètement badass. Je veux dire, mmh. quant à, quand ça commence, elle est début, carrément est cool. Génial. Elle est, elle est carrément mmh. cool. Je veux dire, euh, vraiment, les premiers bouquins sont incroyables. Mmh. Ils sont incroyables. Je vous les recommande. Mais les... pareil, les yeux fermés. <laughs> Jusqu'à... <laughs> Jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain, certain tenu, niveau. Jusqu'à un certain niveau. J'ai tenu, je trouve. Hein. Je trouve... Ouais, mais je, tu sais quoi, je me suis arrêtée parce au même que, que toi. Parce que NG, elle dit, je conseille les 9 premiers. Après, il faut savoir que c'est un arrêt inversé. C'est complètement, ouais, c'est complètement ça. Je crois que je me suis arrêtée à la moitié de celui-ci, par contre. Tu vois, j'en pouvais plus. Je crois que je me suis arrêtée... Non, moi, je me suis arrêtée plus un toi je me suis arrêtée au 13. Waouh. Je me suis arrêtée au 13, mais genre, en fait, il faisait euh, ce taille-là. Mais le pire, c'est... Oui, c'est Maïsa, non Mika, ouais. Mika. Ah, ça... moi j'ai toujours dit Maisa, je, je suis désolée. Je sais pas lequel est le bon, mais vu qu'il n'y avait pas de CD, j'ai dit Mika. <laughs> on s'en fout. <laughs> oui oui, voilà. Mais, mais du coup oui, Buffy c'est ma vie, ouais, ouais moi C'est vraiment une de mes séries préférées au monde, Buffy, c'est quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup. Ça a donné beaucoup de choses. Alors, on peut en parler, mais au niveau du langage, ça a changé la langue anglophone telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et mm. euh, au niveau des héroïnes badass, euh, ça nous a fait beaucoup de bien aussi aux femmes, c'est mm. vachement bien. Mm. Mais, mais du coup, vraiment Vraiment très très bien, euh, Anita Blake. C'est un classique quand on parle d'Urban Fantasy. Cet auteur-là, c'est un monument quand on parle d'Urban Fantasy aussi. Mm. Et c'est génial. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce qu'elle se reprend un moment Ce serait peut-être. Ouais, on aimerait bien. J'ai pas envie que de me relancer pour vérifier. Je, je peut-être checker tu vois, en ligne. Si un moment un ça se reprend. À... Je sais pas si oui, quelqu'un a tout lu. Je sais pas si quelqu'un a tout lu, ouais. Mais, Parce euh... que ce qui nous dit je suis en pleine relecture de la saga. Du coup, tu en es où ça pourrait être intéressant. Ouais, justement. ouais. ouais. Bah, du coup, en fait, tout simplement, il faut savoir que, euh, étant l'héroïne une nécromancienne, donc elle a certaines capacités qui sont assez ouf. Et mmh. euh, malheureusement, à un moment, euh, elle chope des capacités qu'elle n'a pas envie d'avoir et ça finit vraiment par devenir un livre de cul. On va pas se mentir, ça devient complètement un livre de cul. Il se passe que ça. Ouais. Il se passe que ça, euh, non, genre. regarde Angie euh... qui me donne pas envie de reprendre. Elle te dit, ça s'arrange vers le 24. Ça veut dire quoi Du 10 à peu près <laughs> Au oh, 24 <laughs> tu... Non mais sérieusement, mais c'est horrible ce que tu nous dis là, Angie tu tu comprends pas cette portée sur moi, j'adorais les premiers tomes. J'adorais tellement... C'est pour ça que je me suis accrochée aussi ah loin, là, là. parce que c'était ouais, incroyable. Ouais. Et je, en fait, au final, j'ai réussi à m'en sortir, -à, -dire, à continuer plus loin, parce que je sautais les pages. Ou ouais, bah en, fait, que... euh, en fait, du mais coup, ça euh, faisait la bête à deux dos. Euh... <laughs> et, et au final, je... Je veux dire, je me suis rendu compte que je sautais le livre entier! Mmh. Non, mais c'est ça! C'est Autant dans le premier, t'as vraiment une, as vraiment l'enquête qui est prépondérante, qui est là, et c'est haletant, ouais. et t'as envie de savoir, etc. Et t'as un tout petit peu de d'autres choses. Presque et non, même pas, pas dans le premier, il se passe rien. Non, c'est ça! Il se passe rien du tout dans le premier. C'est vraiment de l'enquête, et tu découvres l'univers et tout, ça t'accroche de fou. Et après, petit à petit. Tu dérives de plus en plus. Bah, quand elle se séparera... Quand elle va... Il y a un moment où elle va se séparer de la ouais, police parce qu'elle est, qu est en lien avec la police. Et je pense que c'est le moment où, vraiment, ça prend ouais. un autre, ah, un, un autre un tournant. Ouais. Mais, mais avant ça, vraiment, moi, je pense que c'est un, un plaisir à lire. C'est vraiment un... C'est grave. T'as raison, Angie. Il y a une logique dans le truc. Non, mais c'est logique, tu vois. Mais c'est juste que, du coup, ça, ça, ça se transforme en... Ouais. Ah, voilà. Bon, voilà. On est d'accord, c'est dans le disque, voilà. que ça dérape, fait ouais, tout à fait. Ouais, ouais. C'est dans c'est quoi C'était euh, truc euh, rêve d'un cube, je crois. J'arrive ouais. tout de suite, par contre, j'ai oublié rentrer Berlioz, il dit Oui, je vais le chercher. chercher. Vas-y, vas-y, moi j'ai Luna qui arrive aussi. Mais moi, je sais que j'avais adoré le côté ah, enquête ouais et tout ça. Et plus, plus on avançait d'ailleurs, et plus ça me saoulait aussi dans le sens où Luna, tu es en train de te frotter au micro, tu le sais, tu leur dis bonjour. Et en fait, ce qui m'a saoulée aussi, c'est que tu avais plein de métamorphes différents. Luna, non! Ah! On a nos deux chats qui foutent le bazar. Je suis désolée. On va lui donner un bonbon si vous voulez bien. Mais je trouvais qu'en fait. Luna! Je trouvais qu'en fait, euh, t'avais de plus en plus de métamorphes différents. Et ça, par contre, c'était compliqué, je trouve. Parce qu'à un moment donné, j'étais en mode non, mais lequel n'est pas métamorphe en fait? Quel animal n'est pas dedans? J'en pouvais plus. Ça, par contre. Oh, le joli Berlioz! Il est trop mignon. Oui, je sais, il est trop chou! Luna, je regarde. C'est Berlioz! Regarde le nain, on les présente. Allez, regarde <laughs> Il est trop mignon. Il faut, il faut, boire, il faut boire. Mais si je l'ai okay. déjà, moi. Moi je fait. Ah, je sais pas, moi tu m'as dit, il faut boire. T'as vu, je suis bonne élève. Genre, ok, je bois. <laughs> tu laisses ça donc voilà dans deux secondes je coupe la cam deux secondes je te laisse voir le truc il y a, a chopé un truc qu'elle peut pas prendre <laughs> ok ok vas-y donc du coup du coup voilà pour pour plaisir coupable euh, je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont lu mais euh, normalement non je pense que ceux qui, qui sont familier avec euh, avec le fantasy connaissent en tout cas au moins de au moins de nom oui je pense que si tu enfin je pense que c'est l'un des premiers sur lequel tu tombes en fait Regarde, ouais c'était ouais, ouais. l'un des premiers moi aussi, Moi, je pense que c'est un ébranlé aussi. Et mon, mon tout premier, c'est ce Yasmine Ghalenand, c'est avec... Euh... Euh, est... Il a... Ilan Thalys, je crois qu'il est orangé Ou violet, je sais plus. C'est lequel Yasmine Ghalenand, c'est l'autrice. Ah ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive... Attends, on est trop synchro. Celui-là. Oh, il est violet Oh, cette mémoire Je l'ai <laughs> lu il y a quatre... J'ai lu il y a <laughs> 12 ans !« *witchling*, <laughs> les sœurs de la lune, tome 1 ». Pareil, y y 12 ans. Il est tout neuf, regarde comme il est neuf. Magnifique. Ah merci, Tom, c'est incroyable. Tu avais essayé, du coup, tu parles de plaisir coupable, Amandine Donc t'as pas commencé... Ouais, je comprends. Non, vraiment, alors pour le coup, je, je, avec, avec Manon, on peut le dire, ça part vraiment en ah, ouais, cacahuète. Genre vra vraiment, vraiment, ça et même, part complètement en cacahuète. On chercher Berlioz en vrai, moi, ce qui me saoulait aussi, c'était pas que le côté spicy, c'était le côté... Il y a plein de métamorphes différents, mais à un moment donné, ils te en rajoutent encore, et encore, et encore, et à un moment donné, tu te dis, mais sur quel animal tu ne me parles pas, en fait Il y a, il y a un animal qui est pas... Enfin, je sais pas. Il ouais, ouais, non mais coups, ouais, mais en il fait, fait je crois qu'il me semble qu'elle finit par avoir un harem genre de, de 16 personnes, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, C'est assez hallucinant, quoi. Je veux dire... sais <laughs> pas Enfin, Je me sépare de cet homme, parce que... En fait, j'ai <laughs> hein. au moins jusqu'au... Euh, ouais, je pense que j'ai au moins jusqu'au 15, pense. je pense. Je dois avoir jusqu'au 16 en, en ouais. bouquet. Book... Je sais pas jusqu'au combien j'ai. Ce que j'avais acheté, tu vois, mais je sais plus. C'est censé être le même genre. Alors, vraiment, les premiers tomes, c'est vraiment... Euh, c'est super cool. C'est même époque que Buffy. On va, on je pense que euh, on voit l'évolution du temps, en ouais. fait. Que, genre, euh, savoir que, du coup, dix ans plus tard, euh, ça prend un tournant. Parce qu'en fait, à ce moment-là, euh, dans l'urban fantasy, il fallait qu'il y ait plus de sexy, je pense. Plus de... Mais je sais pas. Mais même elle, elle aime bien écrire ça. On va pas se mentir. Euh, parce que j'ai parlé de l'autre série. <laughs> On va mmh. un gros point dessus. Et, euh, mais, mais voilà, ça part vraiment en c'est enfin, C'est comme ça. C'est logique. C'est pas forcément dérangeant pour ceux qui ont envie de lire ça. Mais il ne se passe pas grand-chose d'autre que... <laughs> euh, voilà... Euh... Bon, après, on va ça comme de la politique, mais bon, quand même. Euh... <laughs> Parfois, c'est ça aussi. Et du mais le côté enquête, ça s'en en en va, ou en va. Ouais, ouais, je m'en souviens. Euh, du coup, chaque... Donc, Yasmine Gallenorn, c'est les Sœurs de la Lune. Euh, C'était premier... mes premiers euh, adultes euh, Urban Fantasy que j'ai lus. C'est très sexy aussi. Euh, ça, il faut le savoir. Et chaque tome, sont... en fait, en fait c'est trois sœurs. Elles sont chacune très différentes. Les Et en fait, le si tome bien. 1, ça va être la sorcière. Le tome 2, ça va être euh, la changeling. Le tome 3, ça va être la vampire. Et en fait, chaque tome va avoir une sœur différente en, en personnage principal avant de revenir, du coup, à la sorcière, puis à la machin, puis à la machin. Mmh, D'accord. Okay. Voilà. C'est classique. C'est pas si mal mais euh, après en avoir j'aimais beaucoup beaucoup mmh. mais après en avoir lu plein je trouve ça pas je trouve ça ouais, pas transcendant finalement oui oui ouais, forcément donc euh, donc voilà euh, je vais juste fermer les, les rideaux je suis désolée c'est parce que Berlioz, il est devant la pourquoi fenêtre comme un malheureux pourquoi tu t'excuses il y a Elno qui est occupé à lécher des globes oculaires alors tout va bien <rire> <Okay>. <rire> Et après, on va par... elle va parler, elle, parce que moi je ne l'ai pas lu celui-ci. Je pense qu'elle va parler du deuxième, de la deuxième saga de Laurel K. Hamilton, je pense. C'est ce qu'elle m'a mis hein, ce temps, je ne veux pas dire, mais. Euh... Voilà. Mais quoi, Eno Quoi On sait très bien que Pépipin, elle aime bien ça. <laughs> ok. Je disais qu'après, tu, euh, tu vas sûrement parler de l'autre saga de Laurel K. Hamilton. Oui, j'imagine. Oui, oui, oui. oui. Bah ouais, ouais. Qui va exposer un problème bien plus de manière bien plus bien plus rapidement. Ouais, ouais. <laughs> tu l'as lu ou pas Je sais plus. J'ai oublié si l'ai lu. À mon avis, tu t'en souviendrais. Plus. Alors, vrai. Euh, donc toujours Laurel Kamineton. Euh, cette série, c'est un de mes plus grands regrets de, de lectrice. C'est-à-dire bon que je suis complètement amoureuse de euh, de l'univers qu'elle a créé. Mm. Il est incroyable. On est dans l'univers celtique. Mais à 100 et dans les choses qu'on ne voit pas de l'univers celtique, c'est-à-dire qu'on est chez les Cids, chez le peuple, on est dans, dans le monde d'en bas. Donc vraiment, oui. vraiment, vraiment au cœur du celtique. Elle s'est renseignée énormément. Elle connaît son sujet tellement bien. C'est tellement bien l'univers. Le problème, c'est qu'elle a oui. fait euh, <laughs> un personnage <laughs> qui est une, euh, euh, on va dire qui est descendante de, 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 de déesse de la fertilité. Oh non <laughs> Non, 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 ça suffit Et, euh, et du coup, c'est un très grand regret pour moi, parce ouais. que... Euh, mais parce elle aime que écrire ces scènes-là, du coup. C'est ça C'est son style, elle aime, elle aime écrire ça, parce que dès le premier, il se passe des choses, mais c'est pas... Voilà. Mais je crois qu'à partir... Hein, je veux dire, c'est pire, c'est pire, bien pire que, que, que Anita Blake. Il y en a combien 9. Bon. Il euh, y en a aussi. plus que ça, je crois, non Ils sont tous traduits hein y en a... Je crois pas que. Ouais, non, 9 est terminé. Non. Ah ouais bah, J'étais pas si loin que ça que la fin, donc j'ai avoir rendu la main. C'est le premier tome. <laughs> ouais, c'est un, un rème inversé. Après, c'est pas le fait que ce soit un rêve inversé qui me gêne. Je veux dire, euh, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est pareil. C'est juste le fait qu'il y, euh, bon, qu y ait que ça. Mais genre, les livres ouais, entiers n'étaient que dommage. ça. C'est bien pire qu'Anita Blake. Hmm. Et pourtant, l'univers, il est et tellement quoi. bien. Il fait rêver. Franchement, il fait rêver. Il, elle, elle a, euh, Si elle pouvait écrire euh, sur le sujet en enlevant ces scènes-là, mais ce serait, ce génial, serait un peu... C'est ce un problème à déchirer. C'est un univers, finalement. Si c'est un hein univers qui t'a plu et que c'est entrecoupé par des scènes voilà, un peu trop présentes... Si elle coupe toutes ces scènes-là, l'univers serait beaucoup plus développé et ce serait encore C'est exactement ça. C'est exactement ça. Horrible. Ce serait incroyable si elle enlevait tout. Mais, mais d'un côté, c'est complètement cohérent avec et l'univers ouais. et la logique celtique et ouais. la logique de tout ce qu'il y a là-dedans, en fait. Donc ça va vraiment ensemble ouais. et euh, euh, elle a choisi de le faire d'une certaine manière et ça va très bien. C'est très logique. C'est juste que voilà. C'est trop quoi, c'est trop. Banside. trop. Hmm. Je l'ai lu Bansid. Euh... J'ai lu Bansid, c'est pas mal. Ah, mais oui, ça m'a pas. A pas mais une fois. Ouais, ça m'a pas transcendé. Ouais, ouais. Enfin, c'est pas. Il n'y a rien qui m'a tapé dans l'œil euh, comme que l'univers qu'elle a créé dans celui-là. <laughs> Je bien. le recherche partout depuis. Je recherche Alors partout. Le... J'ai tapé toutes les recherches de Sid et tout. J'adore euh, la première phrase, tu sais. C'est une Banshee aguerrie pour d'hommes infidèles, violeurs et meurtriers. On met les hommes infidèles avant violeurs et meurtriers dans cette place. Ah oui, si, 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 je <laughs> lu il n'y a pas longtemps en plus, Banshee. Ouais, non, si, de... si, si, ils étaient cool. Mmh. Ils étaient cool, ouais. Ils étaient, ils mais étaient mais pas mal cool. C'est pour ça, je te dis, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est vrai, mais je l'avais lu en deux jours, je crois. <laughs> mais non, mais t'avais lu tout en deux jours, tu sais. Merci Elno pour Ah, plaisir Merci les gens intéressants sur ce live. Merci beaucoup. Merci, Elno, c'est trop gentil. Pourvu qu'il ne vienne jamais. Euh... Ah bah d'accord, <laughs> sympa Quoi Mais non, mais pour plaisir coupable, je parle pas pour Elno. nous il est... j'avais compris Ça se trouve, c'est quelqu'un de sympa, plaisir coupable, on sait pas, ça se trouve, il parle de chocolat. Sérieusement <laughs> Oui, c'est chez Bookmark, mais en fait, à chaque fois, depuis tout à l'heure, finalement, est-ce que c'est euh, Bookmark qui a repris un peu le flambeau c'est ce que, que, que j'allais dire fois, quand on a, hein. quand on va parler de ça il euh, on va quand on va parler des éditions il va falloir qu'on fasse un un point dessus ben il y a ouais. eu un gros shift il y a eu un gros shift ouais ouais <laughs> même <Mais> Evipo, <laughs> blazé, c'est reparti pour les fameux subs <laughs> pourquoi plus je parle plus je te fais peur bah arrête de l'écouter alors comme ça tu n'auras pas peur mm -hmm. Je crois que contrairement à d'habitude, je suis quand même assez sensée en plus ce soir. Je pars pas trop en cacahuète. Franchement, oui. Elle part pas en cacahuète. Elle est méga concentrée. Elle est à fond. Franchement. On par... n'a même pas parlé bouffe, s'il vous plaît. Si, elle vient de dire cacahuète, quoi. Tu vois, c'est tout. <laughs> J'allais dire ah bon. <laughs> J'avais bien oublié. <laughs> elle part en pastèque. Non, qu quoi Elle part en et pastèque. Et... Ouh, une pastèque. Le dixième, c'était quoi hein après, ah, ce que t'avais encore mis T'avais encore mis un truc euh, On a presque fini avec ce que je t'ai mis. oui, 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 si, je me souviens, ça y est, bien sûr, mmh. bah, évidemment. Mmh, mmh. évidemment. Ouais, ouais. Alors, on part du coup... On... Donc là, on est, dans... on est dans les classiques, dans les monuments, dans ce qui a créé, oui. en fait, ce qui a fait l'univers euh, urban fantasy tel qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et du coup, on va enchaîner avec Charlene Harris, La Communauté du mmh. Sud, mmh, mmh, euh, mmh, mmh. qui a été adaptée donc du coup en, euh, en série par HBO. Il a massacré évidemment les livres massacrer <laughs> les livres mais euh, il faut il faut euh, il faut se rendre compte que c'est évidemment pas une série adaptée c'est une série inspirée <laughs> ouais 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 d'accord ce qui permet de faire un peu passer la, la pilule mais, mais du coup <laughs> si on a vu la série est-ce que tu conseilles quand même de lire le livre ou pas Ah bah oui, oui c'est très okay. différent. Je veux dire, les personnages ils meurent, ils meurent pas. Enfin je veux dire, c'est vraiment, ça n'a rien à je, voir. Je me souviens. moi personnellement j'ai vu la série et c'était Mouais. Et du coup j'ai pas lu la série parce que c'était Mouais, tu vois. Ah oh non cette série est affreuse. Non mais rien, rien que l'héroïne qui est quand même le truc le plus oh, elle important. Ah oh T'as envie de la claquer alors oh, qu'elle est super non. cool dans le livre Elle, mais est, mais elle est super cool. Mm -hmm. Mais alors dans le, dans le... Dans la série mais... mais T'as des envies de meurtre Hein je crois qu'il est quelque part celui-là parce que c'est bizarre. Mais lis-le, <laughs> franchement lis-le, il est très bien. En lecture, il est très bien. On du coup, pour ceux qui ne connaissent pas... Euh, je sais pas si as vu, je t'avais mis le générique. Le générique, par contre, est grave cool. Mais par contre, il faut le mettre en entier... Enfin, ouais, en... ouais, bah oui. <laughs> mmh. Mais euh, le, le générique est très, très bien. C'est la seule chose qui est bien dans cette série pour moi, c'est le générique. <laughs> Il y avait des moments que j'aimais bien, mais je connaissais pas le livre, tu vois ce que je veux dire? Autant parfois à un moment donné ça part totalement en live et en mode gars, arrête. Autant, euh, autant pendant un moment j'avais bien aimé quand même. Attends, je coupe ça. Hop, attends voilà. J'arrive tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ouais, bah écoute, je vais leur montrer le générique en, en attendant. Ah, le générique, il vaut le coup. Par contre, c'est vraiment le seul truc qui coule de la série. Je J'ai couper le son, donc ça, ce sera bon. <laughs> Hop. Et on va passer en jeu, tiens. Hop. Navigateur. Je suis désolée, mais ça, ça pouvait pas être prévu. Hein. Je me souviens. Ah, oh, il, en... il est en mauvaise qualité, c'est quoi ça Auto 240. Ah oui, d'accord elle m'a filé un lien bizarre <laughs> mais en effet le générique était bien je sais pas si vous vous souvenez de la musique qui elle est avec que je ne peux pas mettre bien évidemment pour les droits Twitch mais euh, la, la... je trouvais le générique assez cool ah mais c'est la musique qui rend le générique incroyable tu t'es bah ouais, pas mis une piste ça, en mais plus mais pour la VOD je vie? crois pas si. je ah crois je te montrerai comment faire si tu veux oui tu me montreras bon allez Hop, oh bah on arrête sur du sang, magnifique. Non, ouais, magnifique. Hop oh, bah on a perdu l'Inco. Ça m'a fait bugger Tu m'as fait buguer fait Mais, Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. Non plus j'y suis. Je suis ah, flou. Là, ah j'ai revenu. <laughs> Mais j'ai rien fait, j'ai même pas cliqué. J'ai rien fait. Le truc, est, le truc est tout en cassé poutelle, poutelle. <laughs> La série m'a tellement déçue, j'ai pas regardé la fin, j'ai abandonné avant. D'accord. Jamais regardé True Blood, mais bon, ce que vous en dites, j'ai rien raté. Bah, personnellement, en vrai, le début, j'avais bien aimé. Je détestais Suki, c'était une... Ah, est... Oh là 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 mais Bécasse, une tête à claques Une, oh, elle une tête à claques bon, Mais le, reste, le les autres, j'aimais bien. Il y avait des... Enfin, dans le sens où il y avait des acteurs plutôt beaux, en plus, certains. Donc euh, voilà. Mais après, par rapport au livres, j'en sais rien. J'ai pas lu leur description, j'ai pas lu... Voilà, je les avais jamais, euh, jamais imaginés. Alors, pour te faire un rapide... Alors, rapide résumé, du coup, pour ceux qui connaissent pas quand même... La communauté du Sud, donc, euh, euh, c'est déjà, Déjà, en fait, c'est déjà la localisation de la série est intéressante. C'est-à-dire mmh. qu'on est dans, la, dans le fin fond, du, fin fond de la Louisiane, euh, ancien état français, ça euh, dit en passant. Euh, et euh, c'est-à-dire que c'est vraiment dans les endroits paumés, tout petits. Qui une, un, si je m'en souviens bien, j'ai eu il y a 10 ans, mais c'est à Bontemps, mmh. dans le village de Bontemps. Oui, c'est euh, ça. <laughs> <C 'était bon. rire> non, mais, mais, je m'en souviens. Je m'en souviens. Et euh, du coup, euh, oui, euh, on est, on est là-bas. Et en fait, c'est-à-dire que pourquoi c'est important de dire que c'est un tout petit village au fin fond, machin, parce que déjà c'est dans le, dans le sud. C'est, euh, c'est vraiment vraiment reculé, très croyant. Donc, ne serait-ce qu'être noir, c'est compliqué. Mmh. Être mmh. gay, c'est très compliqué. Ouais, et ouais, du coup, ouais. en fait, euh, là, on parle du Bossier qui sont courants que les vampires existent. Et en fait, euh, ils ont créé un faux synthétique qui font que ils n'ont plus besoin de se nourrir euh, des humains. Donc du coup, c'est ok de vivre côte à côte, machin. Et donc en fait, c'est vraiment c'est comment euh, comment la population arrive à un endroit aussi paumé et se fait accepter en gros. Ça c'est vraiment le tout début du postulat. Et euh, donc l'héroïne, c'est Suki Suki Stackhouse, qui est euh, une femme euh, qui a 26 ans si je me rappelle bien au tout début du non 22 ans mmh. ou 26 ans. Enfin bref, elle est dans non, la vingtaine. Beaucoup, hein Tu nous en demandes beaucoup, mais à ta mémoire Oui, on... il faut que j'essaie de me rappeler, mais euh, bref, <laughs> elle a entre 22 et 26 ans, en tout que je, je sais l'un ou l'autre. Et mm -hmm. euh, elle est serveuse, du coup, dans le seul restaurant du coin. Et, euh, et c'est quelqu'un de très déterminé, très dynamique, euh, qui aime le soleil, euh, qui, euh, qui s'en sort très bien. Et euh, le problème, en fait, c'est qu'elle euh, va, rencontre... va rencontrer euh, son premier vampire qui, qui mm -hmm. débarque dans le restaurant. Donc. Le problème de la série. C'est qu'en fait, il y a cette scène où justement, euh, Bill arrive dans le donc c'est arrive dans le, dans le restaurant et euh, elle est genre ils ont voulu faire en sorte qu'elle ait l'air subjuguée et le problème c'est qu'elle a l'air débile. Elle a l'air stupide. C'est vraiment c'était je pense que c'était <laughs> juste <rire> un très mauvais choix de casting. Ah non, mais oh, je oui. pense que l'autre. Enfin, franchement, l'actrice ne va pas du tout avec un personnage comme ça. Ouais, enfin, ouais, elle, essaie, elle, elle est tu vraiment... t'es en mode, mais tu es une tête à claques je vais, je, vais je vais te taper, arrête, arrête. C'est vraiment ce qui se, pa... il se passe. <laughs> c'est triste, mais il se passe genre rien là. Non. <laughs> il n'y a rien. Non, et donc, en une. fait, il y a une scène importante où, effectivement, elle est fascinée, mais c'est parce qu'elle est curieuse mm. de se dire dans le livre, c'est qu'elle est curieuse parce que c'est son... le premier vampire, elle est hyper curieuse de ce qui ouais. se passe, elle est dans un coin paumé, il se passe jamais rien et tout, et donc, du coup, elle est vraiment curieuse. Elle est très ouverte d'esprit contrairement aux autres, enfin euh, voilà. Et dans j'ai la tête, la, je, je vois sa tête là dans, dans, dans mon cerveau. <laughs> ouais, ouais. Elle, 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 elle regarde fait. Bill. Ah. Oh, <laughs> mais mais oh, franchement, mais, oui, mais bien sûr. <laughs> mais j'ai sa tête dans ma dans ma mémoire qui est Et gravée à jamais où je me dis mais c'est quoi cette Idiote, là, franchement, c'est quoi ça C'est horrible, c'est horrible. C'est terrible, en plus, mais moi pourtant, je me sens pas je les... juge pas les pas gens, pas les mais... J'ai pas lu les livres, moi. J'ai pas lu les livres. Mais vraiment, pour le coup, les, li les livres sont bien, franchement, les livres sont... sont très bien. Les livres sont très bien. Ok. Et euh, <laughs> ça, a été, ça a été dans mes premiers du genre aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait une série là-dessus, j'ai Ah ouais, trop bien !» et tout, j'ai... Ah, <laughs> <laughs> <J> tout... <laughs> oh non <laughs> Surtout qu'il se passe vraiment, c'est... Rien ne se passe comme dans le, comme dans le livre, donc finalement, si t'as lu, euh, si as vu la série, tu peux lire les livres, t'auras pas auras pas de problème, quoi. Mmh. Ouais. Elle Oh. <rire> <rire> Je pensais que t'allais le consoler pour pas le fouetter, mais bon, n'y a pas de souci. Hein. <laughs> mais il sait que c'est pas vrai. Il sait que c'est pas vrai. Le fouet c'est mmh. un peu d'amour. Oui. Exactement. <rire> <rire> mais tu me donnes envie de le découvrir du coup parce que finalement la série. Ce que tu dis, ma... enfin, en gros, ce que tu relèves m'a totalement énervée. Et je oh si ouais, me dis qu'en effet, dans, dans les livres, c'est différent. Du coup, j'ai envie de tester, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu mais vois, mais, mais déjà, les, les personnages que toi tu as vus, euh, que je pour... sur lesquels je pourrais, je pourrais parler, mm. c'est par exemple, euh, par exemple, euh, Eric. Ouais. Euh, et en, en fait, est un Viking dans le dans le livre. Mm. Genre ils ont bien pris quelqu'un de grand, de blond, mmh. aux yeux bleus, mais il a pas du tout ce truc viking dans la série, pas du tout. Il a ce truc un peu top modèle, voilà, qui passe euh, vite ouais. tu sais, et encore. Ouais. Mais non, c'est censé être, être un viking incroyablement euh, beau <laughs> dans le livre. Tu vois, il veut vraiment oui, rêver. Je quand même son visage en lisant le livre, je pense. Tu vois. Par contre, son visage, j'aimerais. Oui, 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 oui. Parce qu'il va mmh. bien. Autant Souki, j'espère pouvoir effacer ce visage de ma mémoire, mais. Euh, Suki, oui, Suki, t'arrivera à effacer son... Déjà, déjà, euh, ah, ce qui m'a. Ils ont pris une actrice qui a les yeux marrons alors qu'elle a les yeux bleus. Ouais. Oui. Oui. Euh, elle a les cheveux très très longs, c'est-à-dire qu'ils arrivent quasiment aux fesses. Mmh. Ce qui est pas clair, effectivement, ouais. elle a une queue de cheval et tout, mais c'est surtout qu'elle a une attitude. Euh... Genre, elle se laisse pas faire. Euh, elle envoie, elle envoie chez les gens. Elle est quand même très très gentille, tu vois. Mais euh, mmh. elle est bien éduquée, la grand-mère grave cool. Enfin, faut dire vraiment, c'est bien. En fait, t'es censé avoir des têtes à claque dans le, dans la série, mais la tête ouais. à claque c'est son frère. Qui lui est censé être débile et pour le coup le mec il le joue bien parce qu'il a l'air ouais, débile. Ouais. Ouais. <laughs> pour le coup vrai. ça s'est bien joué mais sauf que le problème, c'est la série. Voilà merci. <rire> <rire> non mais je te jure. Non franchement la série c'était dommage je trouve. Je, je sais pas ça m'a je j'ai même pas fini je pense je crois que j'ai même pas fini la saison 1, parce que ça m'a mm. ah, ça m'a ça m'a saoulé quoi c'est. <laughs> mais après c'est très difficile pour un lecteur de lire ouais. une série qui est adaptée d'un livre. C'est très difficile, je pense. Je pense aussi. Parce que t'as tellement ta... Je sais pas, as tellement cette vision du truc que tu t'es faite toi-même, c'est difficile. Autant moi, aller dans la série, je me suis dit, oula, c'est quoi ce casting, c'est quoi ce truc-là Mais j'avais pas les... j'avais pas d'attente. Donc en fait, j'ai mmh. pas été déçue, tu vois ce que je veux dire. Je me suis dit, bon, bah, je lirai pas les livres, à tort apparemment, mais voilà. Non non mais ouais mais en <laughs> fait c'est pour ça que j'ai regardé dans les petites dates avec marqué c'est juste ce qui a marqué et à chaque épisode il me semble que ce mmh. n'est pas la série ouais adaptée mmh. mais <laughs> tirée Inspirée. du livre mmh. <laughs> genre vraiment il y a des personnages qu'il est très important euh, en fait de, de voir leur mort qui ne décèdent pas dans mmh. la série et du coup aucune logique aucune logique bon je pense que celui là je vais me prendre Mmh. Pas, mais bien plus cool dans le livre que dans la série. Je veux dire, euh, elle a, euh, elle a, un, elle est incroyable, Pam, dans le livre. Je veux dire, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un des persos les, les mieux foutus et euh, le, ouais, la, la série lui rend pas justice. Mmh. Bah pourtant, mais déjà ouais. dans la série, elle était pas mal, je trouve. Donc euh, j'imagine que je préférerais encore dans le livre. Ah ouais, non mais elle est mmh. complètement badass. Euh, c'est, elle est, elle est tarée, elle est froide, mais c'est complètement assumé. Enfin, je veux dire. Euh... Mmh enfin dire euh, c est, c est, elle, est, elle est furieusement euh, furieusement euh, euh, je veux dire, en soutien à Eric et tout ça mais elle est euh, elle est, un... elle est ouais. ah oui oui <laughs> non mais je pense qu'elle elle, elle, elle est pire dans les livres mais pire dans le bon sens tu vois c'est vraiment euh, tout ce que tout ce qu'on aime chez, mmh. chez elle enfin mais voilà non c'est vraiment bien et c'est super important en fait ce qu'ils ont raté quand ils ont raté le personnage de Suki, et c'est tourne autour d'elle donc du coup ça peut pas être une bonne série je veux dire euh... Non, si tu rates ton, ton perso principal, <laughs> ouais. il te reste quoi, je veux dire euh... Mais oui, mais tout à fait, ouais. Mm. Mais donc, même donc, de voilà. sans avoir lu les bouquins, tu voyais bien que ça allait pas. Mm. Enfin, rien que... Enfin, euh, ses répliques n'allaient pas avec son visage de base. tu vois, ça, ça ne va pas. Ah ouais ça, ça ne, faut, faut une concordance, quand même. <laughs> mais ça, ça... En fait, j'arrive pas à m'effacer de mon cerveau le moment où elle mm. le regarde et où elle, et elle fait comme ça, mm. tu sais non, mais <laughs> et genre dans ma tête j'essaie de l'effacer mais non ça reste. Je suis genre, ah non, non, oui, mais, mais tu sais que j'ai aussi la scène en tête et pourtant euh, et pourtant tu vois mais je, je vois très bien. Mais vrai, <laughs> ça m'a vraiment marqué genre mais, là, j ai, j ai... Et en plus cette tête là elle revient plusieurs fois dans la série tu vois. Il y a plusieurs fois où elle a un air béat totalement stupide et tu es là tu vois oh mon dieu. Vrai, en fait si tu regardes reste... dans ses yeux et tu vois le titre du dessin animé où il se passe rien. Tu vois le vide ouais tout à fait le, le vide le. le... Ouais. Mais je je pense qu'il m'a marqué parce que j'ai fait un face genre, je suis à chaque fois genre il me faire un facepalm quand je vois ça tu vois c'est euh, c'est en fait c'est être totalement béat devant la jante masculine et tout genre t'es là genre non mais non ma fille non 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 et du coup j'ai retrouvé quatre autres livres qui je pense pèsent dedans mais je sais pas si je dois les lire ou si je dois m'en débarrasser dans les classiques hum. tu veux dire ou non dans les quatre que j'ai avec moi là tu sais alors attends celui là ah oui, morsure, j'ai lu ceux-là. cela, ceux-là, je les ai lu. Euh... Ils étaient bien, il me semble, mais euh... Euh... ils m'ont pas marqué dans le sens où je sais que je les ai lus. Je me rappelle plus de quoi ça parle. On suit Elena, qui est loup-garou et la seule de... femelle pardon, de son espèce. Ah oui, je me rappelle, ça y est. <laughs> c'est bon <laughs> C'est bon. <laughs> non, ça, ça va, c'est pas, pas mal. Une euh... oui, femme de l'autre monde, ouais, tout à fait, c'est ça c'est pas mal mais ça m'a pas marqué euh, plus que euh... ouais je peux le lire quand même d'accord oh, je... oui 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 <laughs> voilà euh, attends bon je regarde ça, je, je regarde si du coup bon. je te laisse les montrer parce que j'avais regardé sur sur insta mais c'est bon euh... j'ai ça aussi ça rentre dedans ou pas alors celui-là je l'ai pas lu si j'ai lu si j'ai lu celui-là mais je me rappelle pas mec Corbin je les lu ah si mec Corbin si lu, ah, si, si j'avais bien Cassandra aimé si si j'avais bien aimé mec ouais. quoi une prophétesse du sang. Ouais, ouais, c'est ouais, de prédire l'avenir. C'était pas mal, ouais, c'était pas mal celui-là aussi. Ouais, c'est ça, mais Panda, on est trop d'accord, Lingo est une page wiki de l'urban fantasy. Et ça, tu connais, et ça, tu as lu, et ça. Mais je suis désolée, je me rappelle pas tout comme j'aimerais. Normalement, je me rappelle tout ce que j'ai lu, mais comme il y en a, ça fait plusieurs années, j'ai commencé un peu à... Ils font tous les mêmes cartes, pas ouf, hein c'est un truc de fou. Ça. <laughs> mais c'est par contre, en fait, le truc de l'urban fantasy... C'est euh, que contrairement à la fantaisie euh, où mmh. tu vas être dans le, les, les trucs médiévaux où tu vas voir tout un monde qui va devoir être exposé, vu que ça se passe dans des trucs qu'on connaît, ils vont faire des toutes ouais. petites cartes parce qu'on va parler d'une cité en particulier dans la terre qu'on connaît. Mmh. Donc, du coup, les cartes seront toujours petites parce qu'ils vont partir ouais. du postulat qu'on est dans le vrai monde. D'accord. C'est logique. Non. Donc, donc voilà, moche, mais après, mais ça veut pas dire qu'elles sont jolies, mais. <laughs> c'est ça, c'est moche, mais c'est logique. <laughs> Euh, non, je me... non, déjà je me rappelle. Déjà, euh, j'ai une très très bonne mémoire de tout ce que je lis, donc euh, je ne confonds pas les trucs que je lis. Et je ne lis pas du tout que ce style-là. Je, euh, mm. je lis et é... j'ai lu énormément. Je lis énormément de, ma... de base. J'ai lu beaucoup 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 de fantastique, de fantasy normale J'ai lu un peu de fantastique. J'ai eu beaucoup beaucoup de, fanta... de fantasy. Voilà, euh... la fantasy normale non mais c'était classique quoi, en, en gros c'est médiéval fantasy en général, ouais, ouais, j'en ai lu beaucoup beaucoup, euh, j'ai lu beaucoup aussi de, euh, de livres historiques, j'ai lu beaucoup de biographies mmh. aussi, enfin, je, vraiment j'aime je, juste lire, donc je, et, mmh. et comme je lis vite, ça m'a donné l'opportunité de lire énormément de choses en fait. Mais je sais pas si euh, vous vous êtes rendu compte, une fois il y avait euh, Lingo qui était dans le chat, et euh, on lui a donné plein de noms d'urban fantasy, de, de nouveaux romans, et le lendemain, elle est venue, elle a fait, j'ai lu toute la série, il y en avait quatre. je fais quoi Mais quand as-tu dormi J'ai dormi en plus. Hein. <laughs> en urban fantasy, il y a plus d'héroïnes que de héros, oui. À chaque fois, ça, c'est un genre de code dans l'urban fantasy, je trouve. Ouais, parce qu'en fait, l'urban fantasy est défini par une héroïne badass. Mais comme je le disais, il y a des exceptions. Il euh, y a des exceptions. Mmh. J'ai Aimer bien lire, euh, faudrait, je faudrait que je, vais je vais répondre à vos aussi. questions petit à petit, mais attends, j'ai les photos sur moi. Vous avez tout à fait raison Ng et Marie-Laure. Maintenant, en fait, quand tu as un héros, c'est souvent du MM, et puis euh, c'est très récent. Ça, c'est très récent. Il y, a, il y a quelques années, il n'y en avait pas du tout. Ou alors, je ne les connaissais vraiment pas, quoi. Alors du mais coup, euh... dans les euh, héros, il y a un truc qui sort vraiment du lot, par contre. Du coup, je recommande, quand c'est un garçon qui veut lire... Quand c'est quand mmh. un garçon, genre, qui veut lire Urban Fantasy... C'est ceux-là que je lui, je lui file. Attends, où est-ce qu'ils sont C'est... Euh, parce que je tout prends en photo. Ils sont, où, sont, ils sont où Ils sont où Ils sont où Elle a pris sa bibliothèque en photo, on se retrouve dans, dans 20 minutes à peu près. <laughs> dans deux Là ah, retrouvé plus, je suis désolée. Ah si Ghost Walker, voilà c'est ça. Euh, c'est Ghost Walker en fait, où en fait, là c'est vraiment différent. Euh, attends, pour l'auteur, si tu veux, attends, je peux te donner. Ouais, c'est Ghostwalker de euh, Christine Fian, euh, où en fait ce sont des livres en binôme. Il y a, y a des, plusieurs, plusieurs trucs du Fantasy qui sont comme ça. Il y a une série qui s'appelle Les Amants aussi, où en fait on part, c'est des binômes, c'est-à-dire qu'un livre est consacré à un couple, en gros. Donc tu vas avoir une partie du livre qui va être consacrée au point de vue de l'homme, et une, une partie du livre qui va être consacrée au point de vue de la femme. C'est aussi un genre, c'est mmh. aussi quelque chose qui est beaucoup utilisé ouais, dans, dans oui. l'urban fantasy. Euh, donc la série la plus connue ça va être Les Amants de euh, Ward, si je me souviens bien. Oui c'est ça c'est Ward, on a vu plusieurs, plusieurs fois son nom là, dans la soirée, mais jamais sur Les Amants. Euh, tu l'as vu notamment je pense sur une couverture, il y avait marqué recommandé par, par Ward. Mais, euh, mmh. mais voilà. Et oui, euh, Ghost Walker, Il y en a peu de traduits, il y en a ouais. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4 traduits. Sur 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, je crois. Mais il y a des explications <laughs> à ça, il y a des explications à ça en vrai. Mm -hmm. Qui miaule Oui. Ah ouais, oui, t'as raison, Marie-Laure chez Bookmark, il y a toute une collection de ça, ouais, t'as tout à fait raison. Mm. Mais, euh, mais du coup, voilà, il si, si, y a, y a, y a Ghost Walker, en fait, où il euh, n'y euh, a pas de vampire. Il n'y a pas de truc, enfin euh, il y, y en a un petit, y a un petit peu de, de, de créatures, mais en fait ce sont des, des, des gens de l'armée, c'est des, des soldats en fait qu'on suit qui ont euh, été modifiés génétiquement. Mmh. Et euh, qui vont être en gros, euh, qui vont retrouver des femmes qui elles aussi sont modifiées génétiquement. Et euh, chaque bouquin va être consacré à plus ou moins un couple en fait. Euh, ils vont suivre des aventures. Donc ça va être vraiment très différent dans le sens où on va... Ce sont des soldats d'une unité spéciale, etc. Euh, et ça va être complètement euh, un univers différent dans l'armée il va y avoir des trucs de commando etc donc c'est voilà c'est différent euh, et il aussi... y a les amants mais là c'est la confrérie de la dague noire qui est très 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 connue mmh. en... ouais. Ouais. dans le milieu de l'urban fantasy mmh. euh, et euh, qui ça ça va être par contre des, des vampires euh... ça ça va être des vampires oui je me souviens avec les tomes d'une couleur différente à chaque fois et tout ouais, ouais. Ça, attends, il y a Arwen qui veut sortir. J'ai trois chats, je suis désolée. <laughs> C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. <laughs> Avec ces trois petits chats. Et après, je sais pas si vous connaissez, moi j'ai celui-ci aussi. Mais je ne connais pas du tout par contre. Cassandra Palmer, Le seuil des ténèbres de Karen Chains. Pas... Et Karen Chains Ils sont très bien. D'accord. Ils sont, ils sont pas mal. Enfin, très bien. Ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont, bien. Ils sont assez agréables à lire. Euh... Mmh. Personnellement, si je. Avec le monde des esprits. <laughs> ouais. 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 Si je dois, reco si je dois recommander un... un livre dans cette lignée-là, ce serait euh, Waynest, de Jess Haynes. Mmh -hmm. euh, qui est euh, avec, des, euh, avec des vampires, avec des mages, avec des métamorphes, avec de la magie et tout. Donc euh, le trio habituel. Mais qui est très très bien. Qui est très et très bien. Le dernier que j'ai retrouvé. C'était celui-ci qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait parler de lui. Ouais, beaucoup coup. fait parler de lui, mais pas, je ne l'ai pas lu. Mmh. Parce que j'en avais un peu marre des Métamorphes. Je peux comprendre. D'ailleurs, <laughs> apparemment, j'ai lu Gratos. <laughs> Livre offert. Très bien. <laughs> <amour. rire> Et du coup, on peut peut-être peut peut finir avec les maisons d'édition ouais. Parce que je vois que dans le chat, ils en parlent aussi. Ouais, mais j'ai des questions à lesquelles je n'ai pas répondu. Est-ce euh, ah, est est que tu veux que j'y réponde ou pas Oui, vas-y, vas vas-y. C'est pas oui. obligé, hein, parce que en fait, on me demande... Euh... Medieval Fantasy... Medieval Fantasy, c'est ah, oui. bah, mm. le genre le plus connu de la fantasy, je veux dire, c'est... Euh... C'est trois quarts de la fantasy. Je veux dire, par exemple, mm. tout ce qui est donjons et dragons, euh, j'ai à la maison, j'ai <laughs> montré... Tu te rappelles, en live, la dernière fois, quand j'ai montré une partie ouais. de, de mes ouais, livres ouais, que j'avais J'ai mm. tous les trucs de Royaumes Oubliés, tous les trucs de Lance-Dragon, euh, c'est les collections qui, sont, euh, qui ont donné, en fait, d'ailleurs, donjons et dragons tel qu'on le connaît aujourd'hui. La version 3.5, euh, même s'il y, y, y a version 5 maintenant. Euh, c'est tout ce qui se passe, genre Eragon, même. Enfin, je veux dire, tout ce qui se passe dans la fantasy, mais qui est dans un univers qui est vachement moins avancé technologiquement que le nôtre. Et qui se passe en général, c'est un, un temps qui équivalent en technologie médiévale, quoi. Donc, euh, l'épouvanteur, euh, je veux dire, c'est dans un temps aussi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment les trois quarts de la fantasy, c'est là-dedans, quoi. Hmm. Et ton auteur chouchou, du coup, en Urban Fantasy, est-ce que tu en as un pour Lisa euh, bah c'est les trois dont j'ai parlé au début je veux dire c'est Kim Harrison. incroyable Kim Harrison, c'est c'est une grosse claque il euh, y a aussi du coup il euh... y a aussi du coup celle qui a écrit euh, les il euh... y a donc Patricia Briggs incroyable aussi mm. et c'est un monument à Patricia Briggs il hein, faut savoir euh, sur mm. je veux dire même si elle a fait moi j'ai parlé de Merci Thompson elle en a parlé de elle en a fait d'autres elle en a fait d'autres mm. je les ai pas lus parce que j'en avais marre pareil j'avais pas envie de lire d'histoire de loup-garou parce que moi je voulais me concentrer sur ce qui, était... ce qui changeait un peu, tout simplement. Et, euh... Et mine de rien, bon, il y en a d'autres aussi très très bien, mais mine de rien, euh, malgré tous les reproches que j'ai à lui faire, Laurel K. Hamilton mm. est une auteure incroyable. Bah ouais. Incroyable Et c'est ça qui me tue C'est qu'elle écrit en fait, tellement ça. bien mm. C'est tellement Mais bien le ce qu'elle écrit! L'enquête est tellement bien, et t'es là, tu fais, je veux exactement ça dans tous les tomes! Mais ouais, c'est vraiment, elle écrit très, très, très bien. Mm. Et si tu, si tu lis, du coup, si jamais tu te retrouves un jour à lire le premier épisode de, de Mary Gentry, mm. l'univers mm. incroyable! Incroyable! Vraiment Salut, incroyable, c'est tellement dommage! Coucou Rodi <laughs> euh, Je crois pas avoir raté d'autres questions. Non, je crois pas. Dark fantasy. Ouais, je lis, mais je lis tout en vrai. Donc du coup, euh... ouais, je lis tout. C'est, ça. C'est le fait que je, comme je lis très vite, je peux me permettre de lire un peu, un peu de tout. <rire> <rire> mais voilà. Oui. Du coup, tu voulais qu'on finisse sur. Excuse-moi, je, je, parle beaucoup. Euh... Peut-être prévu bien. trop de choses. Je voulais pas. <laughs> mais non, tu sais que quand, enfin, si je t'ai invité, c'est en te connaissant quand même. Enfin, je... <laughs> Franchement, je suis un peu déçue, on n'a pas encore parlé bouffe, mais bon, euh, sinon. <laughs> Écoute, j'ai grave faim. Si tu veux, on peut en parler. <laughs> mais j'ai envie de pizza à ananas, je ne sais pas pourquoi. Une pizza à ananas Mais non. Je, je... Mais tu manges ça J'adore le sucré salé, moi. Mais pour de vrai hmm Genre vraiment mais En fait, ça me fait beaucoup rire le débat sur la pizza à ananas parce que euh, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai ma, ma famille qui est italienne, mmh, en partie. Mmh, mmh. Et donc, du coup, de base. Quand moi, j'ai ma famille, euh, ils se foutent de la gueule de tous les Français avec toutes vos pizzas. Parce que de ouais. base, pour eux, c'est toutes les pizzas françaises, c'est une ignominie. Genre, il y a 15 millions d'ingrédients, il mmh. y a rien mmh. qui va. Alors, quand on voit les débats sur euh, la pizza à l'ananas, ça fait bien rire parce Mais que... Bien sûr. Bah, voilà oui. Parce que mais voilà, tout simplement, <laughs> quand il voit en fait le nombre d'ingrédients... Faut savoir qu'en Italie, il y a très peu d'ingrédients, il y a maximum 3 ouais, ingrédients ouais, par pizza. Sais. Ouais, ouais, tout à fait. Et la plupart des, des pizzas faites en France, de toute façon, tu les trouverais jamais en Italie, carrément. Jamais, ouais. Déjà, il y a la crème partout, euh, il y a, y a ça, 15 millions d'ingrédients... Mais bien sûr, mais ouais. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que moi, ça me... ça, déjà, ça me choque pas, puis ça me fait bien rire, parce que je suis côté, côté italien on est là... alors, attends les Français qui se moquent de la pizza, <rire> je... <rire> Moi, je sais pas. Je pense que j'ai. Je sais même pas si j'ai déjà goûté une fois. Tu vois, je pense que personne n'en a jamais pris autour de moi. Bah, en fait, c'est tout simplement euh, si t'aimes le, le salut sucré, quoi, tout simplement. Mm. Je pense que ça, ça tient à ça. Je refuse. Et donc, pour... et après, c'est trop bon. Ok. Dans <laughs> <Non>, le chat, <laughs> c'est partagé. Oh, euh, on se mouille pas. <rire> <rire> mais euh, non, mais du coup, si tu voulais parler des éditions, il ouais. euh, y a eu un âge d'or de l'urban fantasy, et c'était quand j'en lisais. D'ailleurs, c'était quand j'en lisais beaucoup, beaucoup, et c'était en. 2012, je pense que c'était l'âge d'or de l'urban fantasy. Il mm. euh, y a eu cinq bonnes années, je dirais, et après ça a commencé à décliner. Donc à ce moment-là, euh, les, les maisons d'édition sur lesquelles il fallait absolument euh, jeter son regard, c'était Milady mm. en priorité. Ouais. Vraiment Milady, au niveau de l'urban fantasy en France, ça a fait, ça a fait pas tout, mais... Ouais, mais, mais... Si, tu les voyais partout, ils, ils prenaient les grosses séries, ben si, bien ah, sûr. C'était ouais, eux qui avaient vraiment tout ce qui était les plus intéressants, quoi. Et euh, il y avait aussi pas mal de sorties chez Darklight de Gélu. Ouais. Mmh, mmh. Mais, mais c'était vraiment, vraiment euh, le porte-étendard de l'urban fantasy, c'était Milady. C'est pour ça que quand je cherche des trucs, en général, je vais voir de leur côté, mais en fait, avec la baisse de la popularité de l'urban fantasy, euh, Milady a lâché le truc. Vraiment, ouais. plus ou moins, il a lâché le truc. Il se concentre maintenant sur leur côté romance, sur leur côté pop culture avec ouais. tout ce qui est jeux vidéo, etc. Et donc, du coup, c'est pour ça que maintenant, il y a euh, toutes les rééditions du côté de euh, C'est dont tu parlais depuis ouais, tout as à l'heure. Tu t'as raison, uh, NJ uh, Bookmark, tout à fait. Ouais, voilà. Tout à euh, fait. Et, euh, mais et voilà. Vraiment, ça fonctionne toujours très bien grâce à ça, d'ailleurs. T'as raison. On, euh... Après, ils rééditent des choses, mais ils prennent aussi. Il euh... n'y a pas que des rééditions, d'ailleurs. Et par contre, j'ai lu Dark Light, ça se maintient. Genre c'est lu de toute façon, c'est lu ouais, ça se maintient ouais. et, euh... et et voilà. Mais mais Dark Lights, faut savoir que c'était une section spécialisée. Pareil que pour le band Fantasy. Mmh, mmh. Et c'est à dire qu'à chaque ouais, fois qu'on va bon, aller. Quand même les couvertures, ça a changé quoi, c'est trop bien. Ouais, ouais ouais ouais. ouais. <laughs> mais oui, mais, mais voilà. Ouais. Mmh. Mmh. J'avais pas grand chose à dire sur l'édition, j'ai juste rajouté des petits détails comme ça, mais ouais, pour non, dire mais que vraiment pas... ceux qui ont amené ça c'était Milady quoi. Je veux dire ils ont euh... Ouais. Ils ont, ils ont pris le truc, ils en ont fait quelque chose d'énorme au niveau des bouquins. Hein. Je veux dire, je me rappelle des, euh, à la, quand j'allais à la Fnac, les, euh, les, 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 rayons les... étaient remplis et il y avait que du Milady de partout. Il y avait genre un ou deux trucs de J'ai lu, le reste était que du Milady. Il y avait tellement de séries, c'était incroyable. Le point positif chez ouais. Bookmark c'est qu'il termine toujours les séries. Ça, c'est important. Hein. Ça, c'est important, tu... c'est vrai. Mais quelqu'un tout à l'heure a aussi parlé de Alta Real. Moi, je leur avais parlé sur un salon du livre littéraire que j'avais organisé. Ah Brajon, oui, oui oui. Super sympas. Ils sont super sympas. Ils sont vraiment très gentils. J'ai pas encore lu de romans de, de chez eux, mais ça avait l'air cool. Oui, à Brajlon, Brajlon est, est une section aussi euh, très urbaine fantasy, mais comme ça, en fait ça appartient à Milady, c'est pour ça que j'en ai pas parlé euh, de manière générale. Mmh. Mais par contre, si jamais t'as des euh, ah non, tu veux bien m'envoyer, si ça te dérange pas, un message privé, c'est les euh, les éditions que moi j'ai ratées parce que comme ça, quand je cherche des trucs, je fouille directement ouais. dans leur site. Je te mets. Mmh. Merci. Après, je ne sais pas ce que ça vaut, je t'avoue. J'en ai un, je crois, dans ma pile à lire, mais je n'ai pas encore lu. J'en avais acheté un parce que j'avais parlé à l'auteur. C'était en plein confinement. On faisait, euh, on faisait tu sais, euh, salon du livre en ligne et tout. Et du coup, j'en avais pris un. Ok. <laughs> parce que okay. Ça, ça avait l'air trop intéressant, ça avait l'air trop bien. Et les auteurs étaient trop gentils. J'avais dit, allez, on est parti. <rire> Après, <rire> il faut savoir que euh, le fait qu'ils n'éditent pas tous les livres ce soit pas lié à la collection en elle-même mais c'est le fait qu'en mmh. fait ce sont des livres importés et euh, mmh. ils ont les droits pendant un certain nombre d'années en général. Mmh. Genre les contrats tu les signes mmh, pour tant ouais, de... Soit tu signes en nombre de bouquins, soit tu signes mmh. en nombre d'années. C'est okay. très important parce qu'en fait quand une société d'édition n'édite dé ne, 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 pas tous les bouquins ce n'est pas forcément parce que juste elle a arrêté, c'est parce que les, les contrats sont finis et les gens décident pas forcément de renouveler. Mmh. Ou alors, se... alors c'est eux qui renouvellent pas parce que justement le genre s'est un peu cassé la gueule, ça se vend moins, donc du coup, ils vont choisir avec attention ce qu'ils vont faire. Mmh. Et ça demande du temps de la traduction. Il n'y a, ouais, qui... a pas beaucoup d'auteurs, de il sont... enfin, y a pas euh, beaucoup de livres qui sont traduits comparé au... à la masse qu'il y a en fait, tout simplement. Mmh. Qui sont bien traduits aussi d'ailleurs, ça c'est important ouais. de le dire. Et parce que <laughs> moi j'ai des livres que j'adorais qui sont très très vieux. Mmh. Euh, là, je pense à la fantasy tout court. Donc, Prince Dragon, c'était. Euh... Dans Prince Dragon, c'était quoi déjà Prince Dragon, d'ailleurs, en, fant en fantasy normale, il est incroyable. C'est de Mélanie Rowe. C'est la trilogie du Prince Dragon et c'est sorti. Euh, c'est sorti il y a vraiment très longtemps. Elle est tellement belle la couverture, par contre. <laughs> euh, et ça a été réédité justement par Milady, mais genre ouais. 20 ans après on a pu avoir ouais, le troisième bouquet en France 20 ans après, ouais, donc c'est... C'est mmh. assez dingue, autant de temps après, je trouve. Ouais, ouais, ouais. C'est frustrant le quand tu lis une série, vité, on va pas se mentir. Euh... Mais c'est clair, bien sûr. On va pas revenir sur toutes ces sagas qui n'ont pas été terminées. Il y a plein de maisons d'édition qui sont spécialistes de ça, et ça m'énerve. Ouais. Ça m'énerve tellement. Et du coup, tu sais, les gens sont en mode Ah, bah, du coup, j'achète pas, j'attends de voir si tout sort. Sauf que si t'achètes pas le début, tout ne sort pas, de toute façon. Ouais. <laughs> Et ça, c'est compliqué. Ouais, ouais. Toi, t'as lu Verity Long chez Alter Real. Ok. Verity donc, Alter, Alter. Real, c'est un, une autre maison d'édition que je connais pas. Par ouais, contre, je te l'ai mis sur Discord, du coup. Merci. Et voilà, donc là, c'est la fin de tout ce que moi, j'avais préparé. J'ai lu pff, beaucoup, beaucoup plus de, bi de bouquins que ce que je vous ai montré. Et euh, si vous avez à recommander, c'est le moment parce que. Grave, maintenant c'est ce à, la à la vous fois. de recommander les choses pour <laughs> Nico, pour qu'elle puisse plus ne rien pas à dormir. Sous la dent. <laughs> pour qu'elle puisse ne pas dormir parce que là, après un live comme ça, t'as trop envie d'aller lire. Ah, Alors je vais moi, aller lire, c'est sûr. Moi, j'ai trop envie d'aller lire là. Kofi, mm. il est pas prêt. <laughs> tu vas lire quoi Est-ce que, est que tu vas du coup lire un truc de Fantasy ou t'es pas lancé là non, je pense qu'il faut que je termine euh, mes romans avant. Mes romans en cours, j'en ah ai oui. deux en cours et du coup, je veux finir ça et après passer à autre chose, carrément. Donc ben, mais là long. je regarde, long Attends. je regarde la liste, tu sais, du coup, de Booknode et euh, mm. <laughs> j'ai tellement lu les trois quarts, c'est ouf. <laughs> c'est ça. <laughs> c'est ça. Mais tu me diras, tu me montres les trucs de fantaisie normale, j'aurais lu aussi euh... mm. beaucoup. <rire> <rire> Creation City, moi je l'ai en anglais, celui-là, est... je l'ai en relié en anglais, il est magnifique. Ah, je l'ai lu, je crois aussi. De Sarah James. Je me fais agresser par un moustique, et j'ai juste envie euh, qu'il meure. Je sais que c'est violent, mais... Euh... Je pense que tu devrais le défoncer. <laughs> J'essaye, mais... Je sais pas, des fois que vous me voyez lever le bras, c'est pas parce que j'ai je... un souci, hein, c'est <laughs> juste que j'essaie d'être... <laughs> Dark Elements, oui. Il y a Lux, Covenant, ouais, c'est ça. Oh ben Je les ai en plus, c'est chez Gélu, j'avais oublié. La Dark Fantasy, Je peux tenter la guilde des ombres d'Anatrice. Et eh, au fait, j'ai oublié de vous montrer le roman d'une copine. Il y a Steffi Wol Wolf aussi qui a sorti les ombres de Mainhaven. Ah, jolie l'air couverture Voilà. Je vais noter. Putain, faut que je, fasse mon petit j faut que je note mes trucs, moi Je elle me la dédicait. Après, je sais pas, hein, je l'ai pas encore lu, mais euh, c'est une copine. Donc euh, voilà. <laughs> salut Proximora Salut salut as lu The Mortal Instruments Alors moi j'ai du mal à me remettre à la J'ai vraiment beaucoup de mal J'essaye parce que c'est des classiques mais j'ai du mal à me remettre à la lecture de Enfin je veux dire J'ai laissé derrière moi depuis des années bah, Là, oui. Je trouve c'est très compliqué Parce que par exemple J'ai commencé à lire J'ai commencé à lire Tolkien J'avais 12 ans tu vois et donc, euh, j'ai laissé derrière moi la lecture ado-ado, vraiment, il y a longtemps. Et maintenant, en tant qu'adulte, revenir sur des personnages sur lesquels j'arrive pas à... Bah, ils sont ouais. jeunes, quoi, comparés à moi, j'arrive pas à... à me mettre avec eux, c'est compliqué, je crois. Je sais pas ce que en penses, toi. Hein. Dis-nous. Moi, je suis habituée à la, à la littérature young adult, donc je t'avoue que j'en suis jamais encore euh, totalement sortie pendant un long moment. Donc euh, en fait, ouais. ça va j'essaie je de m'y remettre on est vraiment sorti c'est compliqué je pense ouais mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs qui sont vachement bien tu vois genre euh, donc mmh. j'essaie de m'y remettre parce que ça vaut quand même le coup de, souvent. souvent donc on a aussi Dark Alchemy, Alchemy de Marie-Laure qui est dans le live et la couverture elle est trop belle en fait les chroniques d'ombre et de lune. T'as mis, mis où dans le live? Attends, je, je mets l'image. Ah Je suis en train de noter tous les trucs là. Tadam. Voilà Ah oui, j'avais <laughs> vu celle-là, ouais. C'est Marie-Laure qui est dans le chat, <laughs> justement. L'autrice. Alors, Proximora, euh, tu, tu l'auras en replay en tout début du, du live, tu auras les, les livres préférés de... <laughs> De l'Inco. Pardon? <rire> <rire> Pardon <rire> <rire> Hop. Les larmes rouges de, de Georgia Caldera aussi. Les brumes de cendre lune, ouais. Il y a plein de choses. Il y a plein de trucs cool. J'ai juste essayé de, de sortir vraiment du, du classique, euh, mm. classique inspiré-toi et quoi. Mm. Bah oui, c'est un petit peu ça. Hein. Witch Games vient de sortir chez H et je l'ai vu tourner. Ah ouais, je sais pas non plus. Attends, je, je vois même pas la couverture là tout de suite, ça, je t'avoue. Witch Games, tome 1. Liaison interdite. Ah ouais, <laughs> en effet. Écoute, euh... <laughs> j'ai lu, franchement, en lisant le résumé comme ça, je crois que j'ai lu trois fois Amour et Amoureuse. Je pense que c'est... <laughs> La thématique principale. Mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Par contre, je... c'est la première fois que je vois la couverture, je peux pas te dire. Je peux pas du tout ah, te, y te avait... dire, Lisa. Il y avait un truc cool, si tu regardes sur un de tes livres, Milady, c'est qu'ils avaient fait des sigles pour te dire en fait euh, ce qu'il y avait ah, dans oui. ton Urban Fantasy. Ah, bah, Celui-là, c'est noté sexy et romance. C'est ça. Et en fait, t'avais <laughs> vampire, sexy, oui. romance. Euh, c'est ouais. marrant parce que sur tous les livres, t'avais des petites indications directes en fait bah, derrière -là, qui te disaient. Celui-là. Romance et sexy aussi, mais dis donc, bonne pioche. Euh, humour et action. Tu vois Humour. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Tout à fait. Et sur les autres, non, je pense qu'ils sont un peu plus vieux. Ah, Témonica, ouais, j'ai lu. Je, je, je sais plus si j'avais. Chasseuse de la nuit, j'en ai parlé tout à l'heure, elle est trop bien. <laughs> bon, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Linco. C'était trop Merci bien. Merci à toi. C'est vrai, j'espère dés... oh, que oui. pas toi, je ne suis pas passé trop par-dessus toi. <laughs> mais c'était le but de te mettre en avant c'était ça mon but oui, de mais merci beaucoup à de t'inviter pour parler d'un genre que je connais absolument pas en fait, j'ai lu très très peu d'urban fantasy, j'ai lu le truc qui finit pas très bien. <laughs> <laughs> T'as le truc qui va pas vraiment cacahuète. <laughs> J'ai lu, lu un classique. J'ai lu un classique. un classique. C est... C est il pas. était vraiment bien. faut pas se mentir. Il était vraiment bien. Mais du bien. coup, tu me donnes trop envie de, de lire d'autres choses. Et en fait, mon but euh, pour, pour les gens qui nous regardent encore, c'est de faire ça avec différents genres. C'est à dire que là, on a commencé par l'urban fantasy parce que j'avais trop envie d'inviter Lingo à parler. <laughs> mais on essaiera de faire ça avec d'autres genres. C'est à dire. Euh, bah, je sais pas, j'avais pensé aussi au thriller mais il faut que je vois un petit peu qui des, des genres que je vais pas beaucoup lire, on va inviter quelqu'un qui lit que de la romance mais contemporaine et pas vraiment euh, dans, dans ça enfin voilà, on va inviter des gens pour nous parler de choses que moi je ne lis pas et qui vont de, me donner envie de, de beaucoup trop acheter je pense, ça ça va être euh, le truc le plus compliqué je pense, ouais mais Angie tu vois Séverine pour le thriller, euh, Séverine elle a déjà sa, sa propre chaîne où elle parle thriller et, euh, et c'est encore différent Enfin, elle m'a oui, pioché parce qu'elle le sait, quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Elle a déjà des tops de ses meilleurs thrillers et tout. Moi, j'ai envie d'inviter de, de, des gens qui font pas forcément que ça sur Internet. Mais bien sûr que c'est la Queen, c'est vrai. Mais elle est déjà venue ici, ND, je te rappelle. Elle est déjà venue. Le replay, il est sur YouTube, hein, je vous rappelle. Non, mais. Je vous rappelle quand même que nous avons l'Inco. Et qu'il faut aller... la suivre. Non, merci, <laughs> c'est trop gentil. Encore. Je... Et sur Twitch je me suis éclatée en vrai. Enfin, je veux dire, moi parler de livres. Euh... Mais pourquoi tu le fais pas d'ailleurs Tu pourrais. Hein bah, oui, je pourrais, mais je... En fait, je juste que pendant mes lives, je parle de plein de trucs. On a déjà parlé ouais, de bouquins. C'est vrai. vrai. La dernière fois, on a parlé mais de. Quand, quand j'arrive, tu parles de plein de. <laughs> quand j'arrive, tu fais, eh, tu lis quoi alors Et puis du coup, tu dévis sur, euh, sur les romans. <laughs> mais j'ai beaucoup de. Je suis quelqu'un de passionné. C'est euh, du coup, ça veut dire que je me spécialise en rien, mais ouais, euh, mais, mais un rien peut me passionner. Mais ça, donc bien, euh... penses, donc justement. ouais, je, je connais des trucs dans tout mais je suis j'ai un bon niveau dans rien finalement, tu vois, genre <rire> ouais, <rire> mais si mais que... voilà. Si, si si. Si si, tu es ici, c'est que justement tu avais un bon niveau en urban fantasy. <laughs> mais attends, j'ai lu moins d'urban fantasy que ce que j'ai lu de fantasy hein. <laughs> Nous, non. nous devons refaire le live, nous devons recommencer. Par <laughs> contre, ce que je veux bien, si, si ouais. j'en profite pour un petit, un petit appel, c'est que euh, j'aime énormément euh, le, les histoires dans, par exemple, tout ce qui est Grèce antique, Égypte antique, etc., mmh. euh, basées sur, euh, sur des gens qui s'y connaissent. Mais, euh, genre, il y avait l'auteur euh, avec Jacques, attends, c'est comment c'est euh... Euh, les, hi bah, les histoires en fait qui se passent dans ces époques-là, et j'en trouve plus, et il y a un auteur spécialisé là-dedans, j'ai lu tous ces bouquins. Ah, Christian Jacques, ouais, ok. Christian Jacques, ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, j'aimerais bien savoir si, si toi t'en connais, ou pas. Moi j'avais vu, tu sais, tout ce qui était Circé et tout ça, mais je sais pas ce que ça vaut, je l'ai pas lu, de Madeleine ouais. Celui-ci j'avais vu. Mais, euh, mais je sais pas du tout ce que ça vaut ouais bah voilà et le chant d'Achille mon pitch c'est la même chose qu'à moi <laughs> c'est top ok super Au moins parce que j'adore l'histoire et du coup euh, j'aimerais bien me faire en fait j'aime bien dans la lecture c'est se faire emporter quelque part c'est pour ça que ouais. bah oui la fantaisie oui, l'urban oui. fantasy ou alors juste aller dans le passé mmh. mais très loin c'est grave mmh. cool. ouais j'aime beaucoup l'historique aussi Edison Germain ah oui c'est vrai mais oui t'as raison la mythologies dans le monde moderne ouais carrément bien bien vu Bien vu. Après, justement, mythologie dans le monde moderne, ça rentre aussi dans l'urban fantasy, parce que c'est pour ouais. ça que je disais qu'en fait, c'est pas tant la fantasy, c'est le merveilleux. Pour rappel, le, le merveilleux, c'est quand même euh, les mythes euh, qui se rapprochent plus de tout ce qui est mille et une nuits, mmh. mais qui sont mmh. complètement acceptés par la population. c'est la différence avec, euh, avec la fantasy, par exemple. Mmh. C'est-à-dire que le merveilleux, les gens savent et ils l'acceptent complètement. C'est normal ouais. pour eux qu'il y ait ça. Donc c'est un mélange vois, de tout ça. Justement, Alison Germain, elle a écrit Le Souffle de Midas jamais. Ah tiens, je connais de Les noms, je crois. Chronique, Méride. Je vais aller voir. J'ai le temps de le noter personnellement. J'ai noté, merci. Ah ça, je sais pas du coup. Je connais pas euh, Lisa. Robert. Harris. Je noté aussi. Je suis désolée de vous avoir fait partir sur autre chose, mais du coup. Euh... Non, c'est bien, c'est bien. Tu sais bien que j'aime bien. L'or, j'avais pas trop aimé, moi, Panda, tu vois. Il y avait un côté, en effet, mythologie, mais je peux pas le recommander, et pourtant, je l'ai... Je l'ai commencé, ouais, je l'ai lu en VO, j'ai lu la moitié en VO, et j'ai pas accroché. Toutes les mythologies m'intéressent en vrai, Junia. Euh, Junia, Junia comment tu junior, le prononces Je crois. Junia. ok. Mmh. Marie-Laure. <laughs> Marie-Laure, c'est plus simple. <laughs> Pardon, oui. Ah, c'est ML pour Marie-Laure, ok. Oui. Inca, c'est très axé sur les mythologies Inca, du coup, ça t'intéresserait, bah, pourquoi pas, hein, franchement Joyce Tildesley. Vous nous sortez des noms que je n'arriverai pas à retenir. J'ai tout marqué en tout cas. Mais j'ai quand même une question pour toi. Oui. C'est après ce live-là, après que je t'ai exposé tous mes trucs. Toi, tu as le PDF que tu as toujours avec toi d'ailleurs. Si tu devais commencer un livre, tu commencerais quel Sharry Naris Je pense Charlie Davidson. Je pense. Charlie Davidson, pardon, oui. Ouais. Ouais, je pense. Parce que c'est l'humour qui t'attire, c'est ça Ouais. Ah ouais carrément parce qu'autant le reste j'ai l'impression que c'est un peu plus classique autant celui-ci avec l'humour ça a l'air cool et ouais. peut-être reprendre la communauté du sud aussi, tu sais là ouais parce que vous avez vu la série ce serait intéressant après mmh. du coup euh, si t'en veux les, les trois premiers vraiment tu peux y aller sans <laughs> sans hésitation elle essaye de me faire lire <laughs> oui, oui bah, bah désolée oh, ça te prend quoi mais là, on... enfin, c'est beaucoup de romans et un peu moins d'autres choses, je trouve, euh, en ce moment. Sur les, non, 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 hum. sur les autres Non, 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 sur les autres, c'est des enquêtes. Ah oui, c'est vrai que je t'ai pas dit, mais du coup, euh, euh, sur le tout premier, donc, euh, Kim Harrison, C'est une quoi. détective privée. Elle était dans la police ah, avant, mais détective oui, privée. Donc non, en fait, c'est des enquêtes. À Engie, je répondais à Angie, qui parlait de ADS et Perséphone. Et ah, je disais, euh, les derniers qui sont sortis, la plupart du temps, c'est beaucoup, beaucoup de romances. Hum. Le tribut des Dieux, mais oui, je l'ai. Il est où Il n'est pas là. Mais euh, je l'ai aussi, oui, tout à fait. Et c'est euh, Bleuhen Guillaume qui l'a écrit. Il faut que je le lise, d'ailleurs. Et il n'est pas là. Je ne peux pas le montrer, mais il est, il est trop beau. <laughs> Et Bleuhen, elle est aussi sur Twitch, d'ailleurs. Ça, c'est intéressant. Ouais, voilà. Pas mythologie réelle, mais on parle de dieux avec un univers euh, fantasy. Mmh. T'as raison. Ok. Tout à fait. Noté. La lecture, c'est la vie. Mais oui, mon pitch, tout à Ah, fait. mais j'adore lire. Mais tu sais que j'ai eu des problèmes avec ça parce que je lisais en en classe. <laughs> je lisais en classe, <laughs> je lisais oh, euh, pendant, les, euh, pendant les, 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 les pauses, etc. Ouais. Et quand j'étais à l'école hôtelière, euh, quand les gens partaient en pause en récré, bah moi, je, je lisais. Et j'avais mmh. des problèmes avec mes profs parce qu'ils me disaient T'as rien à faire à l'école hôtelière, tu lis. J'avais été très choquée. Là, genre, attends, tu vas horrible. me dire que parce que on travaille en, en cuisine ou en service on n'est pas censé aimer lire enfin je veux dire t'es ah en train de bah, dire le droit que tes un élèves dans euh... sac à main. ils main sont... ouais non mais c'est n'importe quoi Aïe aïe aïe, ah, c'est désolant ouais c'est désolant je trouve ah ouais ouais complètement c'est trop moche <laughs> de dire ça comme ça ça caractérise les gens c'est horrible ouais c'est grave oh. comme réflexion on est d'accord ah ouais non mais Carrément. ça m'avait choqué je lui ai dit je comprends pas c'est à dire que je suis à l'école donc j'ai pas le droit de lire fait, non mais quand on a une passion il faut la suivre Remira. Oui Coucou Kofi, tu vas aller te coucher, c'est ça C'est pour ça que tu viens Coucou Kofi, <laughs> on a fini T'as vu, il, il arrive à la, la fin pour moi d'entendre parler. Comment c'est plein de livres. Mais bon, ici, ça va être dodo, mais grave, on est trop comme ça. Ah, oh, merci pour ton sub, Kofi Bienvenue pour ton deuxième mois avec moi. Juste ton deuxième mois, c'est trop triste. Deuxième mois. Sur neuf ans, Kofi suis... Neuf ans hein, Tu sais. <laughs> Il se renouvelle quand mon abonnement moi Ça fait deux mois moi non, aussi je crois. Arrêtez c'est bon, t'inquiète. Non mais, non mais moi je veux dire je peux pas renouveler. Toi, tu arrives mais... à la fin. Tu arrives à la fin. Il voulait Il pas m'entendre. Le, le replay ici est euh, sur YouTube de toute façon. Ouais moi ça fait déjà deux mois depuis, euh, depuis 20 jours, Kofi. <laughs> je te félicite <laughs> pas. Non mais franchement, Kofi, je suis pas fondateur. Et moi qui te donne à chaque fois notre prime, tu sais. euh, Mirab, bah, je sais pas, écoute, tu, je sais pas si c'était un bon live, moi en tout cas, je me suis bien amusée. Linko, je sais pas. Ah oui, moi je me suis amusée. Vous avez livre combien de livres à vos wish list euh... Après, j'ai réduit au maximum, hein, parce que je vous ai pas fait. En fait, j'ai choisi de pas faire un truc en quantité. Mais vraiment en, en type non, et en, en, en qualité. Ouais. Non, mais t'as fait un devoir incroyable. <rire> <Merci>. <rire> mais ça m'a pris rien bah, du tout parce beaucoup, que. Merci beaucoup, NJ, d'être venue, c'était chouette. Toi aussi, t'en beaucoup, donc c'était très bien d'avoir ton point de vue à chaque fois, c'était cool. Ouais, merci tout le monde hein, d'avoir joué le jeu. Et ouais, merci pour vos compliments, c'est très gentil. Oui, Goofy, je sais que tu peux pas profiter des cadeaux de Twitch à cause de moi, désolée. Mais en fait, le, le, j'ai pas rien si le Prime il est sur mon compte en fait. Mais t'as qu'à te prendre un compte Prime je... Moi demain, je suis plus modo, tu sais. Il va en... Arrête, il va encore te menacer, je crois. Non, regarde J'ai une super tasse Oui Mais bah attends, j'ai la même. J'ai la même, sauf que moi, elle est montée à l'endroit. Oui, bon, écoutez, ça va, j'ai galéré. Mon chafou, moi, c'est lui qui l'a hein. J'ai bien, bien envie de lire la comédie. C'est Oui, moi aussi, je veux trop. Je vais peut-être les reprendre je du coup trop. parce que je les ai pas finis, mais euh, ouais. Oh, Koshi, regarde ce qu'il te dit. <laughs> non, c'est une tasse Coffee Gaming pour notre ami Kofi. <laughs> C'était le. Je sais pas si t'as regardé Friends, ça ou pas Ouais. Ouais, du coup, c'est <laughs> <C 'est> Chandler. <laughs> C'est la, la thèse de notre super ami Kofi. Oui, oh, elle est trop belle cette tasse. Fait avec son imprimante 3D, quoi. Et dire que je l'entendais toute la nuit fonctionner. Pour ça. Non. Si, c'était juste au-dessus de nous. Bon, moi, ça m'empêche pas vrai. de dormir, hein, personnellement. Mais, euh... Moi, le moindre bruit... De euh... enfin, toute façon, je, je oh. m'endors en... en écoutant des trucs, parce que sinon, je, je m'entends penser. faudra qu'on fasse oh. une, une commande twerk, hein, les gars. <rire> <rire> Elle a tout à fait raison, elle que pas cette tasse, c'est moins drôle. <laughs> on peut la faire twerker, mais. Mais oui. <laughs> bon, bah écoute, on va s'arrêter là. Oui. Merci beaucoup, c'était trop bien. Merci. Merci, Merci d'avoir Et puis, du coup, je vais lire Charlie, Davi Charlie Davidson bientôt, je pense. On va. Bien. Bientôt, Après, -les Bientôt. Après bientôt avec moi, c'est relatif, tu vois, c'est dans les six mois. Mais bientôt, c'est pas mal. <laughs> ça te prend combien de temps, toi, pour finir un, un livre Pas tant temps que ça, parce que tu ça dépend à côté, mais Ça dépend. Ouais, c'est ça. Ça dépend si, euh, si le nombre de cartes que j'ai ça dépend le nombre de live et de vidéos que j'ai ça dépend plein de choses. Mmh. Parce que, en fait, quand je rentre et que je suis en live, euh, en général, c'est pas forcément de la lecture. Donc, euh, ça dépend. Parfois, ça peut me prendre une semaine parfois, ça peut me prendre une journée. Ça me... Ouais. Ça dépend. Je vois. Le meilleur emote existant. Tu vois, Kofi Tout le monde aime ton twerk. En même temps, c'est Pépipin qui l'a fait donc c'est normal. Ouais, mais <laughs> bon, son père hein? est bien aussi. <rire> <rire> Moi, j'ai le fouet de Pépipin. Mais oui, mais je sais, mais j'ai vu, c'est trop bien. <rire> <rire> Elle est trop bien. Là, merci beaucoup, merci beaucoup à tous. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on va raider aujourd'hui hmm. On va peut-être aller voir euh, le seul que j'ai pas encore raidé, je crois. C'est celui qui nous fait des lives toute la nuit. Iti e. Ouais, que Kofi met dès le matin, il se réveille, il met Iti e. ou Pépipin d'ailleurs, les deux. Il ah moi aussi je fais, je fais la même. Je me réveille le matin, je mets Pépipin. Bah bon, ouais, j'ai dormi avec Iti. Ah pas, e. E. Enfin, pas avec Kitty, e. mais vous avez compris quoi Ouais, <laughs> ouais, ouais. Avec le live. Pépi et Pépi euh... mais oui, c'est ça, c'est Pépiti. <laughs> Pépiti. Et je, je, mets, je mets Pépipin, Pépi Pépipin et, e. et Kofi. On va aller découvrir Iti. Iti qui live toute la nuit. Donc pour les insomniaques, ça peut carrément vous plaire, je pense. Sauf les mardis est... soirs. Il est trop gentil. Sauf les mardis soirs. Merci beaucoup. Merci. Mais nous sommes mercredi, donc cette nuit, c'est bon. Good. <laughs> Il est trop gentil. Merci bon beaucoup, Lingo. Merci pour tout. Et puis à très très vite, parce que tu seras toujours la bienvenue ici et que tu vas revenir de toute évidence. Pas Merci. forcément pour parler Urban Fantasy, mais euh, tu vois. <rires> <rires> Merci tout le monde. Des gros bisous. Et, et puis t'es la meilleure. Des gros bisous. A bientôt et c'est quand ton prochain live euh, Demain à 19h. On fait des voilà. jeux en multi. Mmh. Ah moi c'est demain en même temps je crois. <laughs> demain à 18h30 on sera en live. Bah après on ira voir Linko. Voilà. <laughs> des des bisous. bisous. Bonne nuit bonne nuit. Salut. <music>